Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment grand, magnifique Seigneur et Sauveur. Mes frères, c'est une joie d'être encore de nouveau sur cette antenne pour proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Et de ce qui répand par nous en tout lieu, à travers le monde, la bonne odeur de sa connaissance. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous vivons des temps difficiles où l'abomination de l'apostasie est atteint un niveau vraiment indescriptible. C'est le paroxysme de l'abomination et de l'apostasie dans cette fin de temps, avec toutes sortes de séductions dans le corps de Christ. Et nous nous attelons d'exposer ces choses tous les jours sur cette antenne. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Nous allons continuer avec le thème que nous avons abordé la semaine passée, à savoir l'étude des épîtres de Paul à Timothée. Nous avons abordé la semaine passée les trois premiers chapitres les trois premiers chapitres de la première épître, et nous allons terminer la première épître avec les trois chapitres restants avant de terminer cette émission, de la conclure avec 2 Timothée, la deuxième épître. Donc, mes frères, c'est une joie, c'est une allégresse, c'est un privilège, mes frères et sœurs, de proclamer la parole de Dieu, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Nous allons passer beaucoup de temps dans la parole, comme la dernière fois. Nous irons dans les Écritures. Donc, pour vous qui venez de vous joindre à cette émission, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes en direct. Nous sommes le lundi 17 mars de l'an de grâce 2014. Il est pratiquement, voilà, 13h32 à Houston, 19h32 en France. Et donc, nous allons commencer cette émission. Sans plus tarder, je vais vous convier à vous joindre à nous ici au studio afin de lever ces moments au Seigneur, afin de rendre grâce à Dieu pour ce banquet de la parole auquel nous allons encore participer. Et pour les sœurs, je n'aurai de cesse de vous rappeler, de vous couvrir la tête. C'est un commandement d'obéissance, un commandement d'amour. Ce n'est pas une loi que nous imposons, c'est un commandement d'obéissance et d'amour pour les femmes sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, prions, mes frères et sœurs. Éternel Dieu, nous voici à nouveau derrière cette trompette pour proclamer ta parole. Seigneur, nous avons en tête un sujet, à savoir les épîtres de Paul à Timothée. Mais véritablement, c'est toi seul qui sais ce que nous devons dire. Seigneur, que je ne dise pas ce que je veux dire, ou je souhaiterais dire. Que je ne dise pas ce que ceux qui écoutent aimeraient entendre. Mais Seigneur, donne-moi de dire ce que tu veux que ton peuple écoute à cet instant même, durant ces moments que nous allons passer. Donne-moi de dire ce que tu veux que ton peuple écoute à travers les écritures que nous allons lire. Seigneur, donne-nous de participer à ce banquet de ta parole avec beaucoup de sagesse, Seigneur, pour ceux qui contribuent à travers le monde à cette émission, par des versets, par des commentaires. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que ton Église, l'Église que tu t'es acquise par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, est en train de se réunir autour de cette parole. Merci, Seigneur, pour ce grand banquet de la parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme devrait vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ta bouche. Merci donc pour cette parole qui nourrit nos âmes, nos intelligences, qui est une lumière à nos pieds, une lampe à nos sentiers. Cette parole qui nous préserve de la séduction, de l'égarement, des esprits de séduction. Merci Seigneur Dieu pour ces moments que nous allons passer. Seigneur, nous t'en supplions, recouvre ce studio avec ta protection. Recouvre les maisons de tes enfants d'où ils reçoivent cette émission avec ta protection. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui a une maladie de quelque nature que ce soit, de quelque intensité que ce soit, à ce moment, Seigneur, nous t'en supplions, délivre, Seigneur, donne la guérison à qui que ce soit. C'est par la foi au nom de Jésus-Christ que je te demande cela. Merci, Père, donc, pour cette émission, pour toutes les installations, pour toutes les connexions, de tout appareil, de quelque manière que ce soit, qui contribue à la bonne marche de cette émission. Merci pour les appareils de ceux qui te reçoivent, qui reçoivent cette parole chez eux. Seigneur, merci infiniment. Sois glorifié, sois magnifié. Nous voulons te dire honneur
à ton nom, gloire à ton nom. Nous voulons chanter, glorifier, magnifier ta gloire, ton saint nom. Seigneur, nos âmes t'exaltent. Nous t'exaltons parce que tu es digne de louange, tu es digne de magnificence, tu es digne de gloire, tu es revêtu, Seigneur, de majesté. Seigneur, avant toute chose aussi, nous voulons te dire pardon pour toutes choses que nous aurions faites, qui t'aient affligé, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos actes, nos actions, nos réactions. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur tes enfants, que ce soit nous ici, que ce soit tes enfants qui te suivent. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos transgressions. Seigneur, renouvelle, nous t'en supplions, à notre égard, tes compassions. Merci de ce que tu nous donnes, de nous approcher de toi avec assurance, sans aucun sentiment de culpabilité, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes, de nous débarrasser du péché. C'est toi qui nous assistes afin que nous arrivions à ce standard de sanctification auquel tu nous appelles. Seigneur, Dieu, sois glorifié, sois magnifié. Honneur à ton nom, honneur également au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé. C'est par lui et avec lui et grâce à lui que nous venons, Seigneur, proclamer cet évangile au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, mes frères, voilà, le temps est lancé pour cette émission aujourd'hui. Nous irons dans les Écritures abondamment pour partager la parole. Parce que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est ce qui nous donne le salut. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous ne sommes pas affranchis par les rêveries. Nous ne sommes pas affranchis par les fables et les généalogies. Nous ne sommes pas affranchis par les visions mensongères, les révélations mensongères, des choses que les gens racontent à gauche, à droite. Nous sommes affranchis, mes frères et sœurs, uniquement par la parole de Dieu. Et nous nous attelons chaque jour à amener le peuple de Dieu à la parole. Nous n'avons aucune autre mission. Mes frères et sœurs, Dieu m'est témoin, je n'ai aucun motif dans le cœur que le seul motif d'amener les enfants de Dieu à retourner à la parole. C'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Et plaise à Dieu, j'ai l'assurance que Dieu me rendra fidèle et que je ne me détournerai pas de cette mission que le Seigneur m'a confiée, à savoir ramener le peuple de Dieu à la parole. C'est ça à quoi nous nous attelons jour et nuit, afin que le peuple de Dieu se prépare au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aller à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes ici pour ceux qui aiment la parole de Dieu, qui place la parole de Dieu au-dessus de toutes choses. Cette antenne, comme je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, n'est pas pour ceux qui aiment les livres, soi-disant, de leur pasteur, soi-disant, plus que la Bible. N'est pas pour ceux qui aiment les visions et les révélations, plus que la Bible. Cette antenne est pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Cette antenne n'est même pas. Jésus-Christ TV n'est même pas pour ceux qui aiment Jésus-Christ TV plus que la Bible. Je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses. Mes frères et sœurs, peut-être êtes-vous fatigués d'entendre de moi les mêmes choses tous les jours. Mais comme l'apôtre Paul, notre bien-aimé frère dans la foi, disait, je ne me lasserai point de vous redire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. La voie du salut consiste à vous dire et à redire et à dire et à redire les mêmes choses, jusqu'à ce que les bouchons du diable qui ont été plantés dans les oreilles de certains explosent, jusqu'à ce que les écailles du diable qui ont été collées sur les yeux des autres, de certaines personnes, fondent et soient enlevées. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, nous nous attelons à ramener le peuple de Dieu à la Bible, B-I-B-L-E, la parole de Dieu, la Bible qui est la parole et la volonté de Dieu révélée. Nous n'avons pas d'autre mission. La seule mission, plaise à Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur trouve bon de nous retirer le souffle de vie, ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne, si nous sommes toujours en vie, c'est de ramener le peuple de Dieu à la parole. La parole de Dieu est tout ce que nous devons placer comme la priorité suprême, c'est-à-dire la priorité de toutes nos priorités. La parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons commencer donc cette étude à Timothée que nous avons amorcé la semaine passée. Et ça me fend le cœur quand je reçois des messages tels que « Frère, est-ce que tel pasteur est faux ou il n'est pas faux ? Comment faire ?» Pour savoir, c'est comme si nous, sur Jésus-Christ TV, nous sommes devenus le grand détective ou montre aux gens avec une loupe quel pasteur est vrai, quel pasteur est faux.
Mes frères et sœurs, lisez vos Bibles. Je vous en supplie avec larmes. Lisez vos Bibles et comparez si ce que vous, on vous enseigne est conforme dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, comme le bien-aimé frère Josué du côté de l'Ukraine a commenté la semaine passée, et je le salue dans le nom de Jésus-Christ ainsi que vous tous ailleurs, il a parlé de chrétiens philosophes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se délectent dans la philosophie, des chrétiens philosophes. Et qu'est-ce que nous entendons par chrétiens philosophes? C'est des personnes qui lâchent leurs intelligences comme un chasseur lâcherait son ciel de chasse vers des affabulations, vers des rêveries, vers les raisonnements. Dieu a dit A et il raisonne, il pense que c'est plutôt B ou C que Dieu a dit. Mes frères et sœurs, c'est la Bible qui nous montre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est ainsi que j'ai répondu à quelqu'un qui m'a posé la question. Mes frères, qui est donc vrai pasteur? C'est votre Bible qui vous montre, mes frères et sœurs, qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. Donc c'est cela, mes frères et sœurs. Donc nous, il y a des personnes qui disent, il y a une sœur qui se dit qu'elle vient là, qu'elle n'a pas d'image, seulement le son. Essayez de rafraîchir votre ordinateur ou éteignez et rallumez. Et ainsi, voilà, si vous avez des problèmes, ça s'est planqué, essayez de rallumer, voilà. Donc mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. Nous devons ramener les gens à la parole. Et ça me fend le cœur. Et vous qui n'aimez pas la parole de Dieu, qui courez comme des chiens vers des poubelles, à gauche, à droite, ils viennent sur Jésus-Christ TV, en même temps qu'ils sont sur Jésus-Christ TV, ils vont suivre à gauche, à droite, des rêveries, mangeant de poubelle en poubelle. Votre place n'est pas ici, mes frères et sœurs. Votre place n'est pas ici. Nous devons arriver au point où nous aimons la parole et on sera dur. Même s'il faut que nous ayons le monde entier pour ennemi, nous sommes en guerre. Et comme nous allons voir, mes frères et sœurs, la deuxième de cette émission, cette deuxième partie, la suite et la fin de l'étude de Timothée, vous allez voir à quel point, mes frères et sœurs, les prophéties qui ont été données à ce livre sont en train de s'accomplir. Nous sommes dans la fin des temps. Nous ne nous amusons pas. Beaucoup de personnes regretteront cette dureté. L'enfer est plus dur. Il n'y a pas un mot qui peut qualifier ou décrire, mes frères et sœurs, aucune langue humaine ne peut décrire la réalité de l'enfer. Pas le faux enfer que les gens vous donnent à gauche à droite avec les visions et les révélations mensongères. Mais la géhenne telle que nous l'avons. Parce que l'enfer d'ailleurs c'est un abus de mot, mais c'est un mot que tout le monde connaît. Mais en fait le vrai mot c'est le lac de feu et de soufre, la géhenne. Il n'y a aucun mot. Beaucoup de personnes se rappelleront cet évangile. Beaucoup de personnes regretteront. Ils diront, Georges tu n'as pas été assez dur. Mes frères et sœurs, voulez-vous que je fasse exploser mes cordes vocales pour vous faire comprendre que les temps sont durs? Retournons à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Retournons à la parole. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Cessez de suivre les révélations et les visions. Cessez de suivre les hommes. Suivez la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a des hommes qui se lèvent, qui voudraient que vous les suiviez, qui voudraient que vous soyez leurs disciples. Mes frères et sœurs, pour notre part, je ne vous dirai jamais de devenir mon disciple. Allez à Jésus-Christ. C'est pour cela que je n'aurai pas d'assemblée. Je n'aurai pas d'église. Parce que l'église, c'est là où deux ou trois se rassemblent. Et l'ensemble des chrétiens dans une église, dans une ville forme l'église. On parle de l'église, par exemple, de New York, l'église de Paris ou l'église d'Abidjan. C'est l'ensemble des chrétiens. Maintenant, les groupes de chrétiens qui se réunissent de maison en maison, c'est cet ensemble de groupes, de cellules qui forment l'église d'une ville. Ce ne sont pas les bâtiments. Et nous allons tambouriner cela. Il y a des personnes qui veulent vous asservir, qui veulent vous amener à les suivre, au lieu de suivre Jésus-Christ. Ces personnes s'établissent comme de véritables gourous. Au lieu de vous de suivre, ils feront tout pour vous rendre captifs. Même s'il faut utiliser le mensonge et la séduction pour que vous les suiviez. Mes frères et sœurs, pour notre part, nous n'utiliserons pas le mensonge ou la séduction ou les larmes de crocodile pour amener quelqu'un à nous suivre. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la dureté de la parole de Dieu. Il n'y a que deux options, mes frères et sœurs, quand vous entendez enseigner. Soit vous nous lancez le caillou, soit vous bondissez sur nous pour nous masser le cou, pour nous régler notre compte, soit vous mes frères et sœurs, vous repentez. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, c'est la dureté de l'évangile. Nous ne sommes pas ici pour plaire à qui que ce soit. Les temps sont mauvais. Regardez l'apostasie, mes frères et sœurs. Nous avons fait une émission la dernière fois où l'apostasie a atteint un niveau élevé. Les gens veulent la douceur. Les gens, comment il y a ce Joel Osteen, il y a une personne, je vous l'ai dit la dernière fois, qui me dit, moi je veux ce Joel Osteen parce qu'il a les fossettes. Quand il sourit, ses fossettes se voient. Je l'aime, il est mignon, il est doux, il est agréable. Il passe le temps à sourire.
Mes frères et sœurs, nous allons subir au ciel. Pour ceux qui se posent la question, si Jean Jamandia sourit ou rit un jour, nous allons passer le temps à sourire et être dans la joie. Mais si nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas être dans la joie alors que les gens, mes frères et sœurs, se dirigent en enfer. Se dirigent en enfer. Mes frères et sœurs, et nous allons commencer dans cette émission et vraiment la dureté de l'évangile. Ceux qui n'aiment pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas votre place à faire. Vous n'êtes pas bienvenus ici. Ces gens qui sont rebelles à l'écriture, les gens qui veulent raisonner, il n'y a pas de place pour les chrétiens rebelles, pour les chrétiens philosophes. J'aime bien cette expression, chrétien philosophe. Les chrétiens philosophes, je les recommande d'aller à l'Académie française, d'aller voir s'ils peuvent occuper une chaire de philosophie à l'Académie française. Mais dans le corps de Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit, la femme n'enseigne pas la parole de Dieu, un point, un trait, la femme n'enseigne pas. N'essayez pas de raisonner. Dieu a dit ne vendez pas l'évangile, ne vendez pas l'évangile, ne raisonnez pas, un point, un trait. Dieu a dit qu'un homme ne couche pas avec un homme ne couche pas avec un animal, un point, un trait. Dieu a dit, on obéit. Et voilà des choses que nous allons enseigner. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous irons dans les Écritures. Et je vais vous conduire dans la parole de Dieu. Je pense qu'il y a d'abord une contribution. Voilà, il y a, je crois, Steve Beneba qui dit bonsoir frère dans 1 Timothée 4, 6. Voilà, enseigne tout cela aux frères et sœurs. Alors tu seras un bon serviteur de Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi, voilà, tu l'as suivi fidèlement, voilà, il continue à écrire. Donc, nous allons, effectivement, et c'est un verset, j'ai toujours dit, cette émission est participative, c'est le corps de Christ qui participe autour de la parole de Dieu. Et si quelqu'un participe à cette émission pour la perturber avec des motifs de querelle ou avec des motifs impurs, ce n'est pas un homme qui s'attaque, il s'expose lui-même à la malédiction de Dieu. Ce n'est pas la malédiction d'un homme, c'est Dieu lui-même. Donc, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, je vous convie, mes frères et sœurs, à prendre part à ce banquet. Donc, tournons nos Bibles dans 1 Timothée. Nous allons partager donc 1 Timothée, chapitre 4, parce qu'on a terminé les trois premiers chapitres. Voilà, donc, chapitre 1 Timothée, chapitre 4. Je vais commencer par lire, mes frères et sœurs. Je crois que nous y sommes. Voilà, je vais lire. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici ceci. Lisons à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mes frères et sœurs, voilà ce qui me fait mal dans cette fin de temps. Beaucoup de personnes pensent suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors que tout simplement, elles sont en train de suivre Satan sans s'en rendre compte. C'est ce qui me fait mal. Si vous étiez musulman, ça me ferait mal, mais pas au point où vous pensez qu'on est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous êtes en train de suivre les esprits séducteurs, les esprits de démons. Enfin, les démons, parce que c'est une tautologie de parler des esprits de démons, c'est une redondance, c'est la même chose. Les démons ou les esprits impurs. Donc, l'esprit dit expressément, ce n'est pas Georges qui dit, ce n'est pas qui que ce soit qui dit. Regardez très bien ce verset 1 sur votre écran ou pour ceux qui lisent. Et en passant, mes frères et sœurs, prenez les notes, notez ce verset. Pour ceux qui sont nouveaux sur Jésus-Christ TV, nous avons cette habitude d'avoir de suivre avec nos blocs notes et les bics. Voilà, vous avez vos stylos, vos bics ou vos crayons, peu importe ce que vous avez. C'est avec cela que nous suivons la parole pour bien noter, pour vérifier si ce qu'on enseigne est exact. Donc, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est une prophétie qui s'accomplit. Et nous voyons cette prophétie se dérouler devant nos yeux. Se dérouler devant nos yeux. Mes frères et sœurs, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Faisons attention, mes frères, faisons attention à ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Les doctrines des démons, l'esprit séducteur. Beaucoup de personnes, vous les voyez, elles ont l'apparence de la piété. Il faut avoir le discernement, mes frères et sœurs. Demandons à Dieu, j'ai toujours dit, s'il y a une chose qu'on a demandé à Dieu plus que toute chose, dans cette fin de temps, d'abord la foi. Parce que ce verset dit que quelques-uns abandonnent la foi
Première chose, demande à Dieu la foi. Et en dehors de la foi, demande à Dieu le discernement, parce que ce verset parle de quoi? S'attacher à des esprits séducteurs. S'attacher à des esprits séducteurs. Et si vous n'avez pas le discernement des esprits, qui est une des 9 manifestations du Saint-Esprit, un des 9 dons, quand vous recevez le Saint-Esprit, Dieu rend possible 9 dons qui sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Et un des dons est le discernement des esprits, la capacité qui vous est donnée par le Saint-Esprit de discerner que cette personne qui est en face de vous, malgré l'apparence de la piété, malgré le fait que la personne donne un caractère d'ange, il y a un esprit qui est derrière. Voilà ce que nous devons demander, mes frères et sœurs. Donc, nous allons vraiment commencer par cette écriture. Voilà ce qui se passe. Et comme je le disais la fois dernière, prions que nous ne soyons pas celui ou celle pour qui cette prophétie a été donnée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Soyons, prions pour qu'on soit ce, vraiment que cette prophétie s'accorde, ne soit pas pour nous. L'Esprit dit expressément, regardez, il n'est pas dit, c'est Paul qui dit. Pour ceux qui pensent que Paul écrivait son propre chef, il n'est pas dit ici que Paul ne dit pas ici, je vous dis. Il a dit, l'Esprit dit expressement. Et regardez le mot expressement. C'est quelque chose de solennel. C'est quelque chose d'exprès. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, et si quelqu'un doute un seul instant que nous vivons les derniers temps, je ne sais pas dans quelle planète cette personne vit. En tout cas, je ne pense pas que cette personne soit sur la terre avec nous. Nous vivons des temps difficiles. L'apostasie a atteint un niveau élevé. Mes frères, qui eût cru que nos yeux verraient un homme s'embrasser avec un homme devant un maire? Qui eût cru qu'une femme s'embrasserait avec une femme devant une autre, s'embrasserait une femme devant un maire ou devant un juge pour se marier, soi-disant? Qui eût cru qu'on verrait les mariages célébrés avec des animaux, avec des arbres? Nous vivons des temps difficiles et l'apostasie atteint son plein. Notre ennemi, le diable, a lâché son armée et les éléments d'élite dans l'armée de notre ennemi, le diable, ce sont les esprits séducteurs. Voilà les esprits qui attaquent le corps de Christ, la séduction. Et nous sommes là pour mettre le peuple de Dieu en garde contre la séduction, mes frères et sœurs. Et quand nous enseignons ces choses, nous ne nous attaquons pas à qui que ce soit. Nous nous attaquons aux esprits qui sont derrière ces personnes. Il y a des personnes qui nous prennent déjà comme des ennemis. Je préfère devenir votre ennemi. L'apôtre Paul disait aux Galates, oh Galates dépourvus de sens, suis-je devenu votre ennemi à vous disant la vérité? Et comme le même apôtre Paul disait dans Galates chapitre 1 verset 10, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Jésus-Christ. Quel plus grand amour que celui d'avertir les gens contre l'enfer. Nous ne prêchons pas la crainte de l'enfer. Je vous ai dit la dernière fois que beaucoup de gens viennent à Christ Jésus parce qu'ils ont peur de l'enfer. Nous venons à Christ Jésus par amour pour lui. Mais pour ceux qui n'auront pas manifesté de l'amour jusqu'à la fin pour notre Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, vont se retrouver en enfer. L'enfer ne nous concerne pas, nous, véritables disciples de Jésus-Christ. Si du moins nous persévérons jusqu'à la fin. Si du moins nous tous, sans exception, persévérons jusqu'à la fin. L'enfer n'est pas notre partage. Malheureusement, l'enfer sera le partage pour ceux qui auront abandonné la foi, pour ceux qui auront lâché leurs intelligences derrière les esprits de séduction. Et ces esprits de séduction sont monnaie courante dans ce temps où nous vivons. Donc verset 1, nous sommes toujours au verset 1. C'est un bon verset d'introduction. Et si je peux introduire, ou je vais dire plutôt si je peux intituler, donner un titre à cette deuxième partie de l'étude des épîtres de Paul à Timothée, c'est « Peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, garde aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. » Et plus que par le passé, nous allons exposer point par point les différentes doctrines des démons. Quelles que soient les dénominations, personne ne sera à l'abri de ces choses. Et quand nous le faisons, c'est par amour. Nous avertissons, mes frères et sœurs. Quand vous voyez un aveugle se diriger vers une fournaise ardente, vous voyez un aveugle qui se dirige vers une falaise. Et au fond de la falaise, c'est les larves d'un volcan. Embrasé. Et l'aveugle se dirige. Et vous criez. Vous dites à l'aveugle, vous criez pour dire à l'aveugle, évite cet endroit. Tu te diriges vers la falaise.
Est-ce manquer d'amour? Mes frères et sœurs, vous avez votre parent que vous tenez dans la main, qui est aveugle, et subitement il s'est détaché de vous et il court vers un fossé rempli de feu. Vous allez murmurer, vous allez sourire, dire non, mon frère, mon cher oncle, ma chère nièce, non, ne va pas. Vous allez sauter et prendre la personne, parce que la personne est aveugle. Voilà. Et comme je viens de voir, justement, David du côté de France nous apporte une expressement. Le mot expressement, c'est explicitement, formellement, nettement. Voilà, nettement, explicitement. Voilà ce que l'Esprit dit. L'Esprit le dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour se tourner vers des esprits séducteurs. Mes frères et sœurs, et nous devons arriver au point où nous sommes vraiment à l'abri de ces choses. Nous sommes à l'abri de ces choses. Parce que la parole de Dieu est ce qui doit nous conduire. Pas les révélations, pas les visions. Mes frères et sœurs, si à partir d'aujourd'hui, quelqu'un vient vous dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, dis-lui que mon frère, ma sœur, ferme ta bouche, montre-moi la Bible, montre-moi le verset de la Bible. Je préfère que tu me montres la Bible, que tu me dises que Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Et quand nous avertissons le peuple de Dieu contre ça, nous sommes traités de tous les noms. C'est nous qui sommes les criminels. Je préférerais être criminel si je vous enseigne ce qui est la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Éprouvez. Qu'est-ce qui me dit que ce que la sœur vient me dire ou le frère vient me dire est vrai? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Or, j'ai l'assurance qu'il n'y a que la Bible qui est vraie. Aujourd'hui, quelqu'un vous dit, j'ai rêvé, un ange m'a apparu hier, il m'a dit que Jésus revient bientôt, les gens crient. Mais que dit la parole de Dieu, Apocalypse 22, 20? Jésus revient bientôt, allez poster sur Facebook, je l'ai toujours dit. Et ça fait sourire certaines personnes. Mais ça ne doit pas vous faire sourire parce que c'est la vérité. Allez poster sur Facebook, votre page de Facebook, Jésus revient bientôt, Apocalypse 22, 20. Vous n'aurez même pas un seul j'aime. Mais postez que j'ai rêvé que Jésus vient bientôt, vous aurez 30 000 aimes. Le monde est friand des mystères. Et le corps de Christ est friand des révélations. Mes frères et sœurs, nous avons une révélation qui est déjà complète, la Bible. Suis-je un criminel? Suis-je un homme mauvais en vous amenant à la parole de Dieu, en vous mettant en garde contre les visions et les révélations? Mes frères et sœurs, suis-je un homme mauvais? Ou ceux qui vous amènent, mes frères et sœurs, à retourner la Bible, sont-ils les criminels? Sont-ils les hommes mauvais? Retourne, c'est l'assurance, mes frères et sœurs. Quelle parole voulait, quelle langue, mes frères et sœurs, quelle tournure de style en français voulez-vous que je vous dise pour vous dire que, mes frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole. Retournons à la parole de Dieu. Allons à la Bible. Allons à la Bible. Évitons les révélations, les visions. S'il vous plaît, peuple de Dieu à travers le monde, je vous en supplie, il y va du salut de votre âme. Quelqu'un vient vous raconter qu'il a vu un songe. Aujourd'hui, l'évangélisation, ce n'est pas seulement par les songes, les visions, les révélations. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au point que mes frères et sœurs, d'autres personnes sont complexées. Pourquoi Dieu dit seulement à cette femme? Pourquoi Dieu dit seulement à cet homme? Pourquoi Dieu ne me dit-il pas moi? Et voilà comment les personnes commencent à demander à Dieu de leur dire aussi des choses. Et comme réponse à leurs questions, à leurs requêtes, les anges commencent à leur visiter. Ils commencent à voir des choses. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, je refuse qu'un ange, j'ai même dit à Dieu dans ma prière que Seigneur, je ne veux pas que tu envoies un ange me parler. Je ne veux pas que tu envoies un ange me parler, s'il te plaît, Seigneur. Je refuse. Parle-moi à travers la Bible. Parle-moi à travers la Bible, Seigneur. Si tu veux me parler, montre-moi un verset dans la Bible qui me donne la révélation. Nous avons une révélation complète, mes frères et sœurs. Nous avons une révélation complète. Nous allons dans la Bible pour savoir si Dieu veut vous parler, ouvrez la Bible. Il y a des vidéos qui circulent où les gens vous disent la Bible est fausse, mettez la Bible de côté, recherchez Jésus qui sans la Bible. Mes frères et sœurs, quel danger! Allons dans la parole de Dieu, allons dans la Bible. La parole de Dieu est la volonté de Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un vous enseigne que la Bible n'est pas la parole de Dieu,
Fermez la bouche à cette personne. Fuyez derrière cette personne. N'ayez plus de communication avec cette personne. Fuyez toute personne qui met l'accent sur les visions et les révélations. Fuyez toute personne. Et ce n'est pas par hasard, mes frères et sœurs, que j'ai à cœur depuis le jour qu'on partage vraiment le livre de Timothée. Ce verset est important. Ce verset lui-même peut faire l'objet, le verset 1 que nous sommes en train de lire, à lui seul, peut faire l'objet d'un enseignement de 4 heures de temps, de 10 heures de temps. Fermez la bouche. Quelqu'un vient vous dire, ne suivez plus. Les gens aiment, quelqu'un m'a dit, lisez vos Bibles. Jésus revient bientôt. J'ai rêvé que Jésus revient. Un ange est venu me dire que Jésus revient bientôt. Les gens commencent à trembler. Mais vous enseignez aux gens, vous postez sur Facebook, comme j'ai dit, Jésus revient bientôt, Apocalypse 22, 20. C'est autre chose. Mes frères et sœurs, retournons à la Bible. C'est l'appel de Dieu à retourner à la Bible. Retournons à la Bible. Allons à la parole de Dieu. Retournons à la Bible. Retour à la Bible. Combien de fois avez-vous entendu cela? Des centaines de fois. Et vous allez continuer à entendre cela. Voilà à ce à quoi nous destinerons notre énergie et notre souffle, le souffle de vie que Dieu a jugé bon de nous conserver. Retournez à la Bible, fuyez les révélations, fuyez les songes, fuyez les fables, fuyez les généalogies, fuyez ces choses. Fuyez ces choses. On n'a jamais vu dans la Bible que les gens examinaient les fables et les généalogies. Les Juifs de Béret examinaient la parole de Dieu. Ces 20 dernières années, ou je vais dire ces 50 dernières années, ont eu le plus de visions et de révélations, vraiment, plus que depuis que le monde existe. Ces 50 dernières années, c'est la fin des temps, mes frères et sœurs. Fuyez les visions, fuyez les révélations, fuyez. Fermez vos oreilles, bouchez-vous les oreilles. Quelqu'un commence à vous dire que voilà, Dieu m'a dit, fuyez, fermez vos oreilles. Ne suivez pas, Dieu m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a dit. C'est des esprits de divination. C'est des esprits impurs. Mes frères et sœurs, Dieu, recherchons, Dieu m'a dit à travers la Bible. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Et vous éprouvez. Une femme qui va vous dire, Dieu m'a dit que c'est une grande prophétesse, un grand apôtre, un grand évangélique. Je vais enseigner la parole de Dieu et impacter le monde entier. Ça, c'est un démon qui a dit. Parce que Dieu n'a pas voulu dire ce qui est contraire à la parole de Dieu. La femme n'enseigne pas la parole de Dieu. Point. Elle n'enseigne pas. Voilà pour ceux qui ont l'amour pour la parole. Voilà la parole. Et nous obéissons. Donc, voilà. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons, esprits séducteurs. Et la séduction passe principalement par les femmes. La séduction. Dès qu'une femme commence à m'enseigner, fuyez-la. Fermez vos oreilles, fermez vraiment. Comme même si vous arrivez par hasard, vous voyez une vidéo par hasard ou une chaîne de télévision par hasard, vous captez une chaîne par hasard, une femme qui a la Bible, fermez, partez de là. C'est vraiment un péché de vous asseoir et écouter. C'est un péché. Vous écoutez des esprits impurs. C'est un péché. Vous qui écoutez une femme enseignée, repentez-vous. Il y a des fois, on me dit, frère, regarde cette vidéo. Qu'une sera faite. Regarde cette vidéo. J'ai dit, je ne vais pas l'écouter. Ne écoutez pas. Dès que vous entendez une femme enseigner la parole de Dieu, vous entendez une femme ouvrir la Bible, vous la voyez ouvrir. Écoutez, mes frères et sœurs, partez de là. N'écoutez pas cela. N'écoutez pas. Et c'est le message qu'on va tambouriner. C'est une trompette, mes frères et sœurs. On sonne la trompette. On sonne la trompette. Et il faut cependant préciser que certaines révélations sont vraies. Mais si elles sont contraires à la parole de Dieu, elles sont fausses. Et si je vous dis, ne suivez pas les révélations, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de séductions. Les révélations, les visions, les songes qu'on voit aujourd'hui, à 99,99% sont fausses. C'est la séduction. Il y a des révélations qui peuvent être, qui sont vraies. Je n'en dis combien pas. Mais la première révélation, est dans la Bible contient tout. La Bible contient tout. Montrez-moi une seule révélation qui n'est pas dans la Bible. Montrez-moi une révélation qui n'est pas dans la Bible. Je mets quiconque au défi.
de vous montrer une révélation. Et si votre révélation n'est pas dans la Bible, elle ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu contient tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si une révélation est contradictoire à la parole de Dieu, c'est la séduction. C'est l'esprit de séduction. C'est exactement comme une prostituée veut séduire. Il y a non seulement l'esprit de séduction, mais il y a aussi l'esprit de prostitution. Quel est le rôle d'une prostituée? Séduire la personne avec ses lèvres doucereuses, avec ses yeux charmants. Voilà. Par exemple, on vous dit qu'on a vu les démons qui torturent les gens en enfer. Montrez-moi un verset qui montre que les démons ont torturé les gens dans le lac de feu et de soufre. Ça existe, c'est pas dans la Bible. Montrez-moi un verset qui vous dit qu'il y aura des démons qui vont torturer. Les démons sont comme vous dans le feu, en train de brûler. Imaginez-vous, mon frère, ma soeur qui me suit. Tu es mis dans le feu avec quelqu'un. La personne brûle, tu brûles. Toi qui brûles, tu auras le malheur plaisir à prendre une fourche pour percer la. Piquer l'autre personne, ou prendre une scie pour couper. Vous coupez la jambe se reconstitue. Vous coupez la jambe se reconstitue. Vous coupez la jambe se reconstitue. Ça, c'est des choses sorties tout de Hollywood. C'est la science-fiction, c'est là. C'est pas la parole de Dieu. C'est les esprits impurs. Fuyez ces choses. Fuyez ces choses, peuple de Dieu. Nous sonnons la trompette. Toute chose, toute révélation qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la séduction. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Je préfère deviner l'ennemi du monde entier. Mais je dis la vérité. Et Dieu m'est témoin. Le sang de Jésus qui atteste que je dis la vérité. Je ne mens pas. Des révélations qui sont là pour susciter la peur et non l'amour de Jésus-Christ. Ces révélations vous amènent à avoir une relation avec Jésus-Christ de courte durée. La preuve en est que la plupart des sœurs et des frères, surtout les sœurs, qui sont venus au Seigneur à cause de la peur de l'enfer, à cause des révélations qui commençaient à fleurir à gauche à droite, où sont-elles aujourd'hui? Où sont ces... Regardez leur vie. Ça a été l'effet de paille. Ces personnes sont venues à Christ pas à cause de l'amour pour Jésus-Christ, à cause de la peur de l'enfer, à cause de la peur des démons qui vont les scier, les brûler dans une marmite et la chair va se reconstituer. Ça, c'est la séduction. Oh, mes frères et sœurs, Satan nous hait. J'ai des larmes aux yeux. Satan nous hait. Voilà sa stratégie. Satan sait que beaucoup de personnes iront à Jésus-Christ à cause de la peur de l'enfer. Mais il sait aussi que s'il suscite les hommes et les femmes à gauche et à droite avec des relations mensongères, ça va faire quoi? Ça va faire des chrétiens qui n'aiment pas Jésus-Christ. Devenons des chrétiens qui aiment Jésus-Christ. Que l'enfer existe ou pas, ce n'est pas notre problème. L'enfer, ce n'est pas pour nous. Devenons des chrétiens qui aiment Jésus-Christ. Parce que si vous venez à Jésus-Christ, parce qu'il y a l'enfer, vous, ce sera de courte durée. C'est un effet, parce que nous sommes dans une course. La marche en Jésus-Christ n'est pas le 100 mètres, le 400 mètres. C'est un long marathon qui termine avec notre mort sur terre. Ou alors, le retour de Jésus-Christ. C'est un long marathon. Ceux qui viennent à Jésus-Christ à cause de la peur se fatiguent vite. Ils lâchent l'éponge. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont venus avec l'histoire de l'enfer et le paradis, les démons qui tourmentent les gens. Aujourd'hui, 3 mois après, 6 mois après, où sont ces personnes? Ces personnes sont retournées. Nous ne voulons pas des chrétiens qui viennent à Jésus-Christ par peur de l'enfer. Nous voulons des chrétiens qui viennent à Jésus-Christ, mes frères et sœurs, par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous donnons cet évangile, c'est nous qu'on traite de tous les noms. Ça ne nous surprend pas. Parce que dans la fin des temps, les gens appelleront ce qui est bien mal, ils appelleront ce qui est mal bien. Nous mettons les gens en garde et je dis encore que mes frères et sœurs, nous n'avons pas établi cette chaîne pour que les gens nous suivent. Il y a une soeur qui m'a dit, frère, comment faire? Je veux programmer un voyage à Houston pour te rendre visite, pour faire partie de ton église, pour ton mouvement. Elle a utilisé le mot mouvement. Nous n'avons pas de mouvement. Elle a dit, je veux faire partie de ton mouvement. Elle pensait que j'ai un mouvement. Je lui ai dit, je n'ai pas de mouvement et je n'aurai jamais de mouvement. Je vous amène à suivre Jésus-Christ. Allez à Jésus-Christ, c'est lui qui va vous dire là où aller. Ne me suivez pas. Ne suivez pas un homme, pire encore les femmes. Ne les suivez pas. Ne suivez aucune personne. Et nous sommes durs, mes frères et sœurs. Nous serons durs. Il n'y a pas de sentiment. Parce que le sentimentalisme, c'est l'arme fatale de l'ennemi pour vous entrer dans l'enfer.
Le sentimentalisme, c'est d'abord, il y a la séduction derrière. Il faut tambouriner. Il faut être dur. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis le Canada, il me dit, frère, depuis les années, je recherchais quelqu'un qui me dit quelque chose qui ne me fait pas plaisir. J'ai passé le temps à suivre les enseignements où les gens me flattent mon ego. Titi, mon amour propre. Titi, mon ego. Il a dit, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me dit les choses qui me font mal, mais qui me secouent, qui me touchent, qui me font vraiment m'examiner. Et c'est cela, mes frères et sœurs, le standard auquel nous devons arriver. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas seulement nous ici sur Jésus-Christ, mais qu'il y ait d'autres trompettes, des hommes qui s'élèvent pour dire la vérité crue du Seigneur Jésus-Christ au peuple de Dieu. Voilà l'évangile que nous donnons. C'est ça, mes frères et sœurs. Et nous voyons dans ces choses, ce sont les femmes qui sont en plus grand nombre. Parce que les femmes sont facilement influençables, emportant tout par la doctrine, vacillantes, changeantes, ondoyantes et vacillantes. Les femmes en plus grand nombre. Et on va voir cela. D'abord, Paul a averti Timothée, on va voir cela. Elles sont vraiment apprenant et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Elles sont là sur Jésus qui se fait tous les jours. Et je ne sais même pas d'abord pourquoi elles sont là. La plupart du temps, elles sont là pour aller corporer après. Pour aller faire les médisances. Vous vous reconnaissez, vous qui m'écoutez. Toi, ma soeur qui est en train de suivre, tu sais de qui je parle. Tu te reconnais dans ce que je dis. Tu ne viens pas de cette trompette par amour pour la vérité. Tu viens ici pour colporter à gauche, à droite. Les raconteurs. Il a dit ceci, il a dit ceci. Voici ce qu'il a fait. Malheur à ton âme si tu ne te repens pas. Malheur à ton âme. Ayons l'amour pour la vérité. Fuyons la séduction. N'allons pas à Jésus-Christ par peur de l'enfer. N'allons pas à Jésus-Christ parce que quelqu'un a raconté qu'il a vu un ange qui est venu lui rendre visite. Allons à Jésus-Christ parce que nous l'aimons. Parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Nous l'aimons. Nous voulons faire sa volonté. Nous voulons lui être agréable. Voilà. Ça fait des vrais chrétiens. Ça fait des personnes qui sont à Jésus-Christ jusqu'à la fin, qui ne se découragent pas. Parce que si vous êtes allé à Jésus-Christ avec la peur de l'enfer, si votre intelligence s'habitue petit à petit avec le message de l'enfer, le paradis, l'enfer, le paradis, ça devient banal. Ça ne vous dit plus rien. Et ce sont les esprits de prostitution qui sont derrière. Je vais vous exposer une catégorie d'esprits diaboliques, d'esprits de prostitution, et ça passe par les femmes. Ils vont à l'Éternel par intérêt. Ils vont à Dieu par intérêt. C'est par intérêt qu'ils vont à Dieu. Si vous allez à Dieu parce que vous ne voulez pas aller à l'enfer, c'est par intérêt. Si vous allez à Dieu pour être riche, c'est par intérêt. N'allons pas à Dieu parce qu'on veut aller en enfer ou bien au ciel. Allons à Dieu parce qu'on l'aime. Allons à son fils Jésus-Christ parce qu'on aime son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre grand frère. Allons à eux, Dieu et son fils Jésus-Christ, parce qu'on les aime. Mes frères et sœurs, allons à eux parce qu'on les aime. N'allons pas à eux par intérêt. Si tu as peur de l'enfer, tu deviens un chrétien intéressé. On l'aime, on veut faire sa volonté. On veut être agréable. On veut qu'il nous dise, ah, voilà mon fils, voilà ma fille. Je prends plaisir à mon fils parce qu'il obéit à ma parole. Je prends plaisir à ma fille parce qu'elle obéit à ma parole. Voilà, on veut lui être agréable. Oubliez l'enfer, oubliez le paradis. Allez d'abord à Jésus-Christ. Et vous, la récompense viendra en tout cas. Il y aura soit la récompense, soit la rétribution horrible qui est le lac de feu et de soufre. Personne ne va échapper. Certains finiront soit en enfer, soit au paradis. Personne n'échappera. En cas ou en autre. Mais pour notre part, développant une relation d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Je vais m'arrêter un peu sur le mot « abandonnent la foi ». Comment abandonne-t-on la foi? On abandonne la foi par la manière avec laquelle la foi vient. Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je reprends, notez ce verset. Le verset de Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si vous abandonnez la foi, voilà, et justement, je vais prendre ce passage, voilà, allons depuis le début, voilà, on va prendre ce passage de Josué depuis l'Ukraine, qui dit que l'amour
Voilà, parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Notez ce verset que Josué Robert du côté de l'Ukraine nous donne. Voilà, mes frères, prenons cela. Il a dit, celui qui, voilà, met l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18 dit, nous, voilà, dis ce que le frère vient de poster. Allons à Christ Jésus par amour, non pas par crainte. Parce que quand vous avez peur, ça produit des... Vraiment, mes frères et sœurs, nous devons mettre l'accent là-dessus. Nous devons mettre l'accent. Notre Seigneur voudrait que nous allions à lui par amour, pas par crainte de l'enfer. Donc, regardez très bien, retournons à notre passage ici. Quelques-uns abandonnent la foi. C'est pour cela, chaque fois que je vous dis, retournons à la Bible, retournons à la Bible. Pourquoi? Parce que si vous laissez la Bible de côté, vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Si vous, avez, vous mettez la Bible de côté, vous vous êtes égaré. Comment les gens, ils ont la Bible, en même temps qu'ils ont la Bible, ils avalent aussi toutes sortes de révélations. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas manger les deux. Soit c'est la Bible, soit c'est les visions. Beaucoup se nourrissent à l'envers de journée. Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, Dieu m'a parlé. Mais cessez d'aller, c'est la séduction ça, c'est les esprits de prostitution spirituelle. Ce sont les esprits de prostitution spirituelle. Exactement comme la prostituée. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Ça fait la séduction. Et c'est comme cela qu'Israël se prostituait vers les divinités étrangères. La même façon qu'Israël, dans l'ancien temps, se prostituait à des esprits. C'est comme ça que le corps de Christ aussi de se prostituer à « j'ai vu, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai eu ceci, cela ». C'est la séduction. Et bien des fois, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est les stratégies de marketing commercial. Et les gens qui veulent monter des affaires, monter des entreprises, qu'ils appellent soi-disant église ou mouvement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'argent qui est derrière. Vous avez l'impression que ça a bien commencé, mais plus tard, c'est l'argent. C'est l'argent qui est derrière la séduction. Mais frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour de l'argent. La preuve est qu'avec un évangile comme celui que nous prêchons, beaucoup ne nous aiment pas. Donc si nous venions là pour l'argent, on ne prêcherait pas ce qu'on prêche là. Les gens veulent entendre des choses agréables. Et quand ils entendent, oh Dieu m'a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prié pour telle personne, j'ai prié pour dire les prisons, ils ont été guéris, j'ai prié pour un aveugle, j'ai ressuscité, j'ai prié pour tel. Comme si maintenant c'est vous qui remplacez Dieu. Non, mes frères et sœurs, arrivons au point où nous nous faisons petits et nous amenons les gens, pas à nous suivre, mais à suivre Jésus-Christ. Donc, voilà le verset qui dit que quelques-uns abandonnent la foi. Verset 2. Partons du verset 1. Je vous ai dit que le verset 1, on peut faire des heures et des heures. Donc, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les faux docteurs, regardez, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Regardez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Les gens vont vous prescrire. Je reçois des questions telles que est-ce que frère doit manger le porc? Est-ce qu'on a mangé ceci? On a mangé cela. La Bible dit, mes frères et sœurs, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Vous ne sanctifiez pas la prière. Les interdictions alimentaires là, étaient pour l'Ancien Testament. Et on a le cas avec Pierre. Quand le Seigneur préparait Pierre pour qu'il aille chez un non-juif, un païen non-juif de naissance, le païen Corneille, le Romain, il a préparé Pierre. Pierre a une vision, une nappe qui est descendue du ciel, et toutes sortes d'oiseaux, quadrupèdes, reptiles, et le Seigneur a dit à Pierre, tu es mange. Et Pierre a dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur, parce que Pierre observait la loi. Mais le Seigneur a dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Voilà, c'était, mes frères et sœurs, la transition de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament par rapport au standard de manger. Parce que Pierre était invité chez un Romain.
Et Pierre a fait plusieurs jours ce Corneille. Et j'imagine le banquet que Corneille et sa famille ont préparé à Pierre et à ceux qui accompagnaient Pierre. Parce que Corneille avait l'impression que de voir un ange à la présence de Pierre. D'ailleurs, il s'est prosterné devant Pierre et Pierre l'a relevé, contrairement à ces dimovores aujourd'hui, qui prennent plutôt plaisir à ce que les gens leur essuient les chaussures, la sueur. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a relevé rapidement Corneille, a dit, non, ne fais pas cela, je suis aussi un homme comme toi. Donc, Dieu avait préparé Pierre chez Corneille. Et vous savez, les Romains, j'imagine comment Corneille devait lui préparer des repas ou des gibiers, je ne sais pas les aliments que les Romains prenaient à l'époque. Il a fait plusieurs jours chez Corneille, alors il devait manger ce que Corneille lui préparait, devait lui présenter. Voilà le standard qui a été établi. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, mangeons, que quelqu'un ne vous dise pas qu'un chrétien ne mange pas le porc, ou quoi que ce soit. Abstenez tout simplement du sang, parce que la vie de l'âme est dans le sang. Abstenez-vous de la chair humaine. C'est même une abomination, même dans les lois de l'homme, des hommes, on ne mange pas la chair humaine. Sauf en Thaïlande où c'est, semble-t-il, légal de manger les avortons, les fœtus des fœtus humains ou des avortons humains. Mais dans la parole de Dieu, c'est interdit, c'est une abomination. Voilà. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Voilà le passage qu'un frère vient de nous partager. Voilà, je le lis. Pour être un bon ministre, exposons ces choses. Si quelqu'un vous enseigne des choses contraires à ce qui sont dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans les Épîtres, ce n'est pas un bon ministre. La Bible dit, en exposant ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la sainte doctrine que tu as suivie. Oh, mes frères, regarde le verset 7. Notez très bien, notez le verset 7, mes frères et sœurs. Que tu le verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les contes. Les diseurs de bonne aventure. Les diseurs de contes. Les gens qui racontent le conte. Les contes. J'ai vu ceci. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Repoussez les diseurs de contes. Repoussez les conteurs et les conteuses. Repoussez-les. Fuyez. Fermez vos oreilles. Ne suivez même pas leurs vidéos. Vous suivez la vidéo de quelqu'un qui dit Dieu m'a dit, Dieu m'a. Non, ne suivez même pas. Les contes, les fables. Repousse. Il a dit quoi? Va suivre. Donc toi, ma soeur, qui ouvre même qui allume ta télé pour suivre des abominations, des contes et des fables, tu pêches. Il a dit, repousse. Repousser, c'est quoi? Repousse, repousse. Ils viennent vers toi, tu repousses. Tu ne repousses pas, tu pêches. Et tu rendras compte. Repousse les contes profanes et absurdes. Je vais mettre l'accent sur une grande révélation. Qu'a dit révélation? À travers la parole de Dieu. Chaque fois que Jésus-Christ est venu, vous allez entendre que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. C'est dans la parole. On n'a pas autre révélation que la parole. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, n'envoie pas un ange me parler la nuit. N'envoie pas, Seigneur, je ne veux pas, je refuse. N'envoie pas un ange, parle-moi à travers la Bible. Dis-moi ce que ta volonté se fasse, mais je ne veux pas être séduit. Je ne veux pas. D'ailleurs, l'ange, cet ange-là, il sera éprouvé. Je vais mettre un Jean chapitre 1 en pratique avec un tel zèle qu'aucun homme n'a jamais eu. Que l'ange même là ne tente pas. Si c'est vraiment l'ange véritable de Dieu, l'ange lui-même, vraiment, le Seigneur Dieu écoute ma prière. S'il veut me parler à travers un ange, non, éprouvez, prends l'autorité au nom de Jésus-Christ, repoussez, chassez, éprouvez, parce que je ne veux pas qu'un ange de Satan qui se déguise en ange de lumière vienne me parler. Et c'est beaucoup ces anges-là. D'autres vont voir les anges femmes. L'ange femme avait une longue jupe, etc. Les abominations des poubelles qu'on vous fait suivre. Et ceux qui sont vacillants dans leur foi, en portant toute ma doctrine, allant de gauche à droite, manger de ces vomissures. Fuyons de telles choses. Donc il a dit quoi? Exerce-toi la piété. Et je vais montrer dans une révélation ici. Et c'est récemment que j'ai compris ce verset. Je pensais que le verset que nous sommes sur le point de lire interdisait le sport. Et il y a aussi un détail, il y a une sœur qui précise, bon je ne vais pas projeter l'écran, qui dit à force de se nourrir de cela, on finit par avoir les visions. Voilà, à force de regarder, beaucoup de gens disent, tel a une vision, il confirme ceci. Oh, tel a une vision, il confirme la vision du frère ou de la sœur.
Comment vous n'aurez pas la vision si vous vous nourrissez aux fausses visions? C'est contagieux. C'est le sida spirituel. C'est la gonococcyx spirituellement parlant. Quand vous vous prostituez spirituellement parlant, une prostituée qui se prostitue sur le plan physique reçoit quoi? Reçoit les maladies vénériennes. Et quand vous vous prostituez aussi sur le plan spirituel, vous recevez quoi? Vous recevez la contamination spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? C'est un mystère. Donc, si vous continuez à vous nourrir, vous commencez à vous nourrir à ces visions et révélations, vous allez finir vous-même à voir ces visions. Est-ce que c'est clair? Vous allez finir vous-même par les avoir. Fuyez cela. Fuyez les visions fausses, mensongères. Et les gens vont vous dire que Joël chapitre 2, verset 28, a parlé de visions les derniers temps. C'est vrai. Mais malheureusement, la plupart sont fausses. On vous dit que on a vu quelqu'un en faire parce qu'il n'a pas payé la dîme. Oh, mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire que tous ces apôtres sont là en enfer. Parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Parce que personne, on n'a vu dans aucun livre où un apôtre a demandé 10% à qui que ce soit. Je dis bien 10%. Vous donnez ce que vous voulez. Vous donnez 1%, 10%, 5%, 50%, 1000%, 1 milliard pour cent. Vous donnez. Et on va vous dire qu'on a vu les gens en enfer parce qu'ils n'ont pas donné 10%. Mes frères et sœurs, que quelqu'un me dise encore qu'on a vu les avares en enfer, je vais comprendre. Parce que l'avarice, c'est quelque chose, c'est un péché. Même Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu possèdes, donne au pauvre et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. C'est pas selon les commentaires. Mes frères et sœurs, voilà, je vais parler de ce commentaire de la sœur. Voilà, la sœur Jessica Bonouli que je salue. Dans le nom de Jésus. Ma sœur, j'apprécie vraiment ta photo de Skype, la manière vraiment décente à laquelle tu t'habilles. Et je sais que c'est le Maroc. Voilà, qu'est-ce que Jessica dit? Moi, j'étais frustré parce que je n'avais pas de vision. Et je me demandais si Christ m'avait vraiment appelé. Voilà ce qui arrive. Voilà la frustration. Rends grâce à Dieu, Jessica. Fais comme moi. Dis, Seigneur, je ne veux pas de vision, je ne veux pas de relation, je ne veux pas des anges. Enseigne-moi. C'est ça, voilà ce que je fais. Seigneur, je veux ta parole. Parce que le Seigneur ne nous jugera pas à travers le fait qu'on n'a pas cru aux visions. Le Seigneur vous jugera. Vous ne croyez pas la vision. Quelqu'un vous dit que Dieu te pardonne, tu ne crois pas ma vision. Quelqu'un te dit, tu n'as pas cru ma vision, que Dieu te pardonne. Oh, mes frères et sœurs. Que Dieu me pardonne, je ne crois pas sa parole. Dieu ne me tiendrait pas rigueur si j'ai refusé de croire, parce que je me mets en garde, mes frères et sœurs. Tout est tellement faux que on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Jusqu'à ce que vous ayez le discernement. Et quand vous allez manifester le discernement, s'il y a quelque chose que vous demandez, Jessica, ma soeur bien-aimée, et tout ce qui écoutez, s'il y a quelque chose que vous devez demander à Dieu de vous donner le discernement spirituel. Amen. Effectivement. Demandez à Dieu de vous donner le discernement spirituel. C'est ce que vous devez demander à Dieu. Que Seigneur, donne-moi de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est l'évangile que nous allons tambouriner tous les jours, mes frères et sœurs, tous les jours. Pas de repos. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Donc, Jessica qui dit, tu n'es pas la seule. Moi-même, par le passé, j'ai commencé à lire les livres, etc., des Sud-Coréens, des personnes. J'ai dit, Seigneur, il y a des fois, on faisait des veillées de prière seulement pour que Dieu nous montre des visions. Seigneur, parle-moi cette nuit. Seigneur, parle-moi, Seigneur, envoie un ange. Je vous confesse cela. Je lève ma main pour dire que j'étais coupable. J'étais coupable moi-même. Le Seigneur m'a sorti de là. N'allons pas à Dieu pour des visions. Demandons à Dieu le discernement. Voilà. Retournons à la parole, mes frères. On va voir vraiment le verset 8. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport au verset 8. Pendant des années, j'ai mal compris le verset 8. Jusqu'à ce qu'un frère me l'explique clairement. Dieu est passé par un frère. Voilà. Quand on parle de révélation, un frère peut t'ouvrir, peut t'éclairer à travers les écritures. Donc un frère dernièrement m'a dit, frère, examine ce verset avec moi, le verset 8. C'est ça que je vais faire avec vous. Parce que pendant des années, je pensais que ce verset 8 parlait du sport. Mais je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas du sport ici. Il s'agit d'autre chose. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente
et celle qui est à venir. Donc, pour moi, votre frère qui vous parle, je pensais pendant les années qu'il s'agissait de sport. Non, il s'agit de toute autre chose, il ne s'agit pas du sport, l'exercice corporel. Il y a des gens qui pensent que, en s'abstenant des aliments, d'ailleurs on a lu ça plus haut, en s'abstenant des aliments, ne pas se marier, en mangeant ceci, en ne pas mangeant cela, l'exercice corporel c'est faire de l'ascétisme, exactement comme les hindous en Inde. Vous savez, il y a les hindous en Inde qui vraiment amènent le mépris du corps. En fait, la parole de Dieu parle du mépris du corps. Le mépris du corps. On a vu ce verset plus haut. Voilà, par l'hypocrisie. Voilà. Verset 3. On a vu ce verset. Presque il va ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Et maintenant, verset 8, il a dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ici, il s'agit de l'ascétisme. Le mépris du corps. Fais souffrir votre corps. Je ne parle pas du temps que vous prenez délibérément pour gêner. Pour vous abstenir de ce que vous aimez, pour gêner. Mais il y a des gens qui vont se dire, je vais dormir par terre pendant, par exemple, une année. Tous les hommes que vous pouvez prendre. Et cet exercice du corps. Et à l'époque où l'apôtre Paul était en train de parler, et même jusqu'à présent, si vous allez, par exemple, dans certaines religions orientales, comme le yoga qu'on a exposé, vous allez voir les grands maîtres yogis qui se couchent sur des pointes, des planches à pointes, ils se couchent sur les pointes acérées, ils supportent la douleur. Voilà, c'est l'exercice du corps. Arrivé au point, ils méprisent le corps. Et il y a un verset qui m'a bien fait comprendre cela. Je pense que c'est Colossiens chapitre 2. Nous allons voir un verset qui m'a fait bien fait comprendre cela. Colossiens chapitre 2. On va lire du verset 23. Voilà, je suis à Colossiens chapitre 2. On va lire du verset 23 au verset 23. Voilà, exactement. Ça nous explique. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Si vous êtes mort en Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose dans ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire et de l'humilité et le mépris du corps. Voilà de quoi nous parlons. Il ne s'agit pas du sport, c'est le mépris du corps. Voilà l'exercice du corporel auquel Paul faisait référence. Le mépris du corps. Il ne s'agit pas de faire du sport, jouer au foot, jouer au tennis. Il y a des gens qui disent, frère, l'exercice corporel, donc je peux aller faire le jogging. Mon frère, ma soeur, tu peux aller faire le jogging. Tu peux jouer au tennis. Parce que 1 Timothée chapitre 4, verset 8 ne parle pas du sport. Ça parle d'un tout autre exercice corporel. C'est-à-dire le mépris du corps. S'abstenir, par exemple, regardez le contexte ici. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Et voilà. Si vous êtes mort en Christ, relisons cela. Si vous êtes mort en Christ au régiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Voilà. Ne prends pas, ne touche pas. Tout ça à cause de quoi? Du corps. Et le Seigneur Jésus nous a dit, ce n'est pas ce qui entre dans le ventre qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Mais les gens vont vous dire, ne touchez pas ceci, ne mangez pas ceci, ne buvez pas ceci. Et le verset 22 dit quoi? Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Ça devient pernicieux. Pernicieux, ça veut dire que c'est vraiment, c'est outrageant. Pernicieux, c'est vicieux. Et ne sont fondés, regardez la suite, ne sont fondés sur quoi? Ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est les hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Et regarde la clé au verset 23. Ils ont à l'apparence, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Ce n'est qu'une apparence. C'est exactement l'apparence de piété. Et je vais encore revenir sur l'apparence de piété. Vous voyez certains hommes et femmes aujourd'hui, soi-disant chrétiens, quand vous les voyez, vous pensez que vous avez affaire à vous un ange. Mais c'est des personnes qui sont remplies de tromperies, de ruses, de mensonges. Mais apparemment, vous avez l'impression que c'est un ange. Vous voyez? Donc, l'apparence. Et nous, véritables disciples de Jésus-Christ, nous ne faisons pas les choses
pour l'apparence. Les hommes peuvent voir votre apparence. Vous pouvez voir mon apparence, mes frères et sœurs, mais vous ne voyez pas mon cœur. Si par mon apparence, je dégage quelque chose qui est autre de ce qui est dans mon cœur, c'est mauvais. Parce que Dieu voit ce qui est caché dans le cœur. Donc, que quelqu'un ne vous trompe pas par son apparence, que ce soit par son apparence physique, que ce soit par des choses qu'il vous enseigne. Ici, la Bible dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Il n'a pas dit qu'ils ont la sagesse. Ces préceptes-là, c'est une apparence. C'est une sagesse fictive. C'est une sagesse chimérique. C'est une sagesse illusoire. Mais ce n'est pas véritablement une sagesse. C'est une sagesse d'apparence. Ces préceptes-là, ne touche pas ceci, ne mange pas ceci. Voilà, ils deviennent pernicieux par abus. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Regardez le mot culte volontaire. Culte volontaire, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire ça. Dieu ne t'a pas demandé de t'abstenir de manger la viande. Il y a quelqu'un. Voilà. Et j'ai le commentaire de Franck du côté du Bénin. Franck, je te salue au nom de Jésus-Christ. Et j'attends cette vidéo que tu as promise. Et je vais prendre connaissance de ton message tout à l'heure, après l'émission. Donc, Franck Degbe du côté de... dit ceci, je pense que je vais lire tout le message. Voilà. Oh, merci pour cette explication. Voilà, on rend grâce à Dieu pour cette explication, Franck. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. On a toujours cru que c'était le sport. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut monter un tout petit peu. Donc, on a cru que c'était le sport. Non, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le sport. C'est autre chose. C'est autre chose. Nous comprenons ce verset avec notre culture moderne. Effectivement, voilà les pièges. Nous lisons la Bible avec notre entendement environnemental, culturel. Non, ici, ça est d'autre chose. C'est-à-dire que Colossiens, et c'est pour ça que mes frères et sœurs, allez encore suivre cet enseignement qu'on a fait sur les méthodes d'interprétation de la Bible. Quand un verset vous paraît compliqué, vous paraît pas vraiment compréhensible, allez fouiller. Cherchez un autre verset. Vous allez lire au fur et à mesure que vous lisez. Vous allez trouver un verset qui apporte la lumière. Vous allez trouver un verset qui apporte la lumière. Et voilà, Colossiens chapitre 2, verset 23, apporte la lumière sur 1 Timothée chapitre 4, verset 8, à savoir qu'il ne s'agit pas du sport, du tennis. Hein? Donc, prenez votre raquette, allez jouer au tennis, allez courir, allez faire votre jogging, allez faire la natation. M'assurez-vous qu'il n'y a pas de femmes nues dans cette piscine ou dans cette plage. À supposer qu'il n'y a pas de femmes qui ont les bikinis. Alors, donc, voilà. Allez dans une salle de gym. M'assurez-vous que les femmes ne font pas le sport en caleçon là-bas. Mais vous pouvez faire le sport, vous pouvez faire ces choses. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre contribution avant qu'on ne continue. Donc, voilà. Voilà. Et donc, je reviens donc au verset 23 de Colossiens chapitre 2 et on va repartir à 1 Timothée. Donc, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. On a expliqué cela. Donc, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Culte volontaire, ça veut dire que Dieu ne vous a pas demandé. Vous faites un extra. En fait, c'est un excès de zèle. C'est volontairement que vous le faites. Ce n'est pas un commandement du Seigneur. Donc, un culte volontaire de l'humilité. Vous voyez, c'est l'apparence. Tout ça, c'est l'apparence. Culte volontaire, humilité, mépris du corps. Voilà de quoi Paul parlait quand il parle de l'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous voulez mépriser votre corps. Non. Ne pas manger, ne pas faire des choses, ne pas... Non, ça c'est... Dieu ne vous demande pas cela. Autant que nous prêchons la dureté de l'évangile, il y a des choses que Dieu vous demande. Abstenez-vous de la fornication, de l'impudicité, du mensonge, du faux. Mais prenez soin de votre corps. Il y a des personnes qui vont vous dire que vous ne pouvez pas mettre... Vous ne pouvez même plus mettre un déodorant fin. Parce que non, le corps, vous n'avez pas besoin de mettre même un shampoing sur vous lavez vos cheveux. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, si vous mettez un parfum pour que quand vous passez, les gens se retournent, ce n'est pas une bonne chose. Mais si vous mettez, par exemple, un stick pour les aisselles, pour éviter la transpiration, c'est tellement discret, ça stoppe vraiment toute mauvaise odeur que votre transpiration peut vous faire dégager. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il y a des personnes qui disent que non, il ne faut même plus vraiment utiliser même un savon pour se laver. Je prends l'exemple. Non, ça c'est le mépris du corps. Dieu ne veut pas que vous méprisez votre corps. Dieu veut que vous teniez votre corps dans la sainteté, la sanctification. Ce n'est pas de mépriser, dire que vraiment, je ne veux plus manger comme ce frère qui me dit qu'il a décidé comme cela de ne plus manger la viande.
Non. Si vous le faites, c'est volontaire, c'est un culte volontaire. Il veut devenir végétarien tout simplement. Donc, le mépris du corps, et le verset termine en disant, ils sont sans aucun mérite et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Ils sont sans aucun mérite. Voilà de quoi Paul parle en Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 8, sur votre écran, où il dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, si quelqu'un faisait un sport, quelqu'un va dire, je vais arrêter le sport pour... Non, ça c'est... maintenant, si le sport devient pour vous une passion, où vous mettez Dieu en arrière, ça c'est autre chose. Sur le sport, vous ne pouvez plus vous passer. Tout ce dont vous ne pouvez vous passer, même la nourriture. Dieu a créé la nourriture pour notre bénédiction. Mais si vous ne pouvez plus vous passer, c'est-à-dire que la nourriture devient pour vous un Dieu, c'est ça qui est, c'est ce qui est mauvais. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Et on va revenir sur cela. Continuons, mes frères et sœurs. C'est une parenthèse que je referme par rapport à la mauvaise compréhension de l'exercice corporel, le verset 8, que les gens ont passé par les années. Moi-même, que s'il s'agissait du sport, or, il s'agissait de toute autre chose. Les gens qui font le culte du corps, ils méprisent le corps comme certaines personnes dans les religions orientales telles que le yoga, le bouddhisme. Ils s'inspirent comme les moines Shaolin, pour ceux qui regardaient les films chinois à l'époque. Dans les monastères, là, ils sont... et c'est aussi le cas des monastères catholiques, ces abominations. Vous voyez, les nonnes, les sœurs sont là vraiment, elles maintiennent le corps. Non, c'est pas ça. C'est de ce que ça parle. Dieu ne veut pas, c'est un culte volontaire, mais Dieu ne va pas demander d'aller vous enfermer dans une petite chambre d'un monastère toute votre vie. Il ne vous a pas demandé ça. Ça, c'est volontaire, c'est volontairement, c'est sans aucun mérite. Voilà, j'espère qu'on a compris. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Voilà. Et yeah, je vais prendre voilà, Timothée, retournons à... Non, Jean-Claude, retournons au commentaire de Jean-Claude. Je pense que voilà, Jean-Claude dit ceci. Bonjour Georges, je voudrais dire pour moi que pour moi le Seigneur a utilisé ce verset 8 du chapitre 4 de Timothée pour que j'arrête le foot. Car je faisais du foot. Un Dieu que je puisse m'exercer la piété. Non, ça c'est différent. Si tu vas de temps en temps aller taper dans une balle, Jean-Claude, taper dans une balle, comme il m'arrive d'aller jouer au tennis, peut-être certains samedis, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pour peut-être être à l'aise, vous voyez les lourdeurs, etc. Mais faire le sport, c'est pas. Là, c'est autre chose. Maintenant, si le sport devient pour vous une profession ou une passion, parce que je vous assure, le chrétien doit vraiment s'éloigner de tout ce qui peut l'amener à rechercher la gloire de ce monde. Parce que même si vous êtes humble en devenant footballeur professionnel, il y a un risque d'amener les gens à vous idolâtrer. Or, si on amène les gens à nous idolâtrer, ce n'est pas bon. Donc, c'est le risque pour ceux qui peut-être peuvent aspirer à une carrière de footballeur, etc. C'est un risque. C'est un risque. Je n'en fais pas une loi, mais c'est un risque, mes frères et sœurs. Si vous vous engagez dans une carrière de footballeur professionnel ou bien des gens, une carrière, par exemple, de coureur professionnel, 100 mètres ou marathon, il y a un risque d'amener les gens à vous idolâtrer. Donc, je ne sais pas s'il y a un commentaire que je n'ai pas pris. Voilà, donc il y a Steve Benaba qui dit dans Colossiens chapitre 3, 5 à 6, c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi faites tout, faites mourir ce qui est en vous. Faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses, rechercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer de faux dieux. Bon, voilà. Voilà par contre ce contre quoi on doit se mettre en garde. Voilà ce qu'on doit, fuir. Vous voyez? Donc, je pense qu'on peut continuer. Merci mes frères et sœurs pour ces partages, ces commentaires, vos témoignages, etc. Nous continuons. Voilà. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Voilà mes frères et sœurs. Ne mettez pas votre espérance dans votre travail.
votre confiance dans votre travail, dans votre épouse, à votre époux, à votre salaire, à votre compte bancaire, à vos biens. Nous mettons, mes frères et sœurs, notre espérance au Dieu vivant. Voilà. Dans le Dieu vivant, c'est en lui que nous mettons notre espérance. Et la suite du verset dit qu'il est non seulement le sauveur de tous les hommes, mais il est le sauveur principalement des croyants. C'est en lui que nous mettons notre espérance. C'est en lui que nous croyons, mes frères. Le verset 11 dit, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare ces choses et enseigne-les. C'est ce que nous faisons. Nous déclarons ces choses. Malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ces choses, mais nous les déclarons. Le verset 12 dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne doit mépriser ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en pureté. Pour ceux de mes frères, vous vous rappelez la dernière fois qu'on a commencé cette émission la semaine passée, j'ai introduit cette émission comme étant un appel principalement aux jeunes, à tout le monde, mais aux jeunes. On a besoin de la relève. Je vous lance encore un appel, jeunes gens. Élevez-vous pour servir le Seigneur. Que Georges, derrière Jésus qui servait, ne soit pas la seule personne à travers le monde. Élevons-nous, mes frères et sœurs, pour prêcher cet évangile de la même manière que nous le prêchons, l'évangile pur, original de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si jeunes, vous vous levez pour servir le Seigneur, ne permettez à personne de vous mépriser parce que vous êtes jeune. Et par ce verset, nous avons la conviction, la confirmation, pardon, que Timothée était un jeune. Timothée certainement avait eu des complexes. Timothée certainement s'est senti frustré parce que les gens le méprisaient. Alors, Paul, le frère Paul, en consolation ou en exhortation, lui dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire qu'il ne permet personne à personne d'avoir du mépris à ton égard parce que tu es jeune. Donc, jeunes gens, même si tu as 13 ans, 15 ans, tu veux servir le Seigneur, toi, mon jeune frère, lève-toi et sers le Seigneur. Le Saint-Esprit sera avec toi. Sois zélé, sois courageux, n'aie pas peur de qui que ce soit, que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà un verset qui confirme encore le fait que je vous disais tout à l'heure que mes frères et sœurs, repoussez les visions et les révélations, repoussez les contes et attachez-vous à la Bible. Que dit le verset? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à rechercher les visions et les révélations. C'est ça? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à rechercher les contes et les fables et les généalogies. Jusqu'à ce que je vienne, cours vers les visions, recherche-les. Cours vers les fables et les contes. Va vers les conteuses et les conteurs. C'est ça? Non. Jusqu'à ce que ça vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Voilà ce que nous disons sur Jésus-Christ TV. Appliquons-nous à la lecture. La lecture de quoi? Du livre de votre pasteur? Non. À la lecture de la B-I-B-L-E. Bible. Appliquons-nous. Regardez le mot appliquer. Vous préparez un examen et vous voulez tellement réussir à cet examen. Regardez la manière par laquelle vous appliquez. Je me rappelle à l'école primaire quand j'apprenais à écrire. Ce maître ou cette maîtresse qui disait, Georges, applique-toi. Suis les lignes. Écris dans les carreaux. Applique-toi. Et voilà comment je m'appliquais aussi, mes frères et sœurs. Voilà la manière dans laquelle nous devons lire la Bible. Prenons un grand soin à nous appliquer à la lecture. Voilà. Et regardez. Le verset 1 commence en disant quoi? Le verset 1 commence en disant, mais l'Esprit dit expressément dans le dernier temps que quelques-uns abandonneront la foi. On a vu dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la Bible. Abandonnons la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et le verset 13 plus bas dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. L'application s'applique à la lecture. C'est le vaccin contre l'abandon de la foi. C'est le vaccin contre les visions et les révélations mensongères. C'est le vaccin contre les esprits de prostitution. C'est le vaccin contre les esprits séducteurs. Voilà le vaccin. S'appliquer à la lecture. Jusqu'à ce que ça vienne, applique-toi à la lecture.
Et ça, c'est pour tout le monde. Et comme Timothée était aussi un berger, un évêque, l'évêque de l'église d'Éphèse, il devait aussi s'appliquer pardon, à l'exhortation et à l'enseignement. Le verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Voilà, l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ce n'est pas l'imposition des mains d'un pasteur. Non, c'est l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Jeune frère, tu t'engages à servir le Seigneur. Le Seigneur te dit ici, occupe-toi de ces choses. Fuis l'oisiveté qui consiste à aller sur Facebook, aller poster les commentaires à longueur de journée. Fuis l'oisiveté. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi tout entier. Mes frères et sœurs, donne-toi. Nous devons nous donner tout entier à la lecture de la Bible. Et pour les frères, donnez-vous tout entier à ce à quoi le Seigneur vous a appelé de faire. Si c'est l'exhortation ou l'enseignement, donnez-vous tout entièrement. Donne-toi tout entier à elle. Et ça va entraîner quoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous terminons ce chapitre avec le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regardez la condition pour être sauvé. Je vous dis, mes frères et sœurs, être sauvé, ce n'est pas facile. Nous avons déjà reçu la grâce, mes frères et sœurs, d'avoir part au salut. Mais la matérialisation de ce salut dépend maintenant de comment nous sommes persévérants, de comment nous sommes fermes dans notre marche, comment nous sommes intègres. Veille sur toi-même. Nous devons veiller, mes frères et sœurs. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous qui nous attachons au ministère de l'enseignement de la parole, nous devons veiller. Toi, collègue pasteur, collègue évangéliste ou collègue ministre de Jésus-Christ qui me suit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même, veille à ce que tu ne sois pas un sujet de reproche. Veille sur ton enseignement aussi signifie quoi? Veille à ce que l'enseignement que tu donnes soit conforme à celui que Jésus-Christ nous a donné. Veille à ce que ton enseignement soit conforme au fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire de ce fondement. Veille à ce que cet enseignement soit conforme. Si un enseignement s'écarte du standard de la fondation, scripturalement parlant, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, on a fait naufrage, on s'est égaré. Donc il faut veiller. Et qu'est-ce qui nous permet de veiller? C'est notre Bible. Vérifions avec la Bible et le baromètre. La Bible est la mesurette. C'est la Bible qui nous permet de veiller si on s'égare ou si on ne s'égare pas. Veillez, voilà, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Non seulement il faut veiller, le verset dit, continue en disant, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Non seulement tu veilles sur toi-même, non seulement tu veilles sur ton enseignement, tu persévères. La Bible dit, persévère dans ces choses. Et voilà, quelle est la plus grande promesse? Quelle est la promesse, pardon? Car en agissant ainsi, c'est-à-dire en veillant sur toi-même, en veillant sur ton enseignement, en persévérant dans ces choses, le résultat merveilleux, quoi? Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Voilà, mes frères. Donc, nous allons continuer, mes frères, à développer ces choses. Vraiment, c'est merveilleux de voir comment la parole de Dieu est bonne, comment elle nous montre de grandes révélations. Donc, après cette pause, nous allons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, mes frères,
Nous reprenons donc, après cette toute petite pause, on va poursuivre l'étude. Pour ceux qui viennent se joindre, nous sommes en train d'étudier. C'est la suite de la fin de l'étude des épîtres de Paul à Timothée. On vient de finir avec le chapitre 4 avec lequel on a commencé l'émission d'aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec le chapitre 5, voilà, sur votre écran, chapitre 5. Que dit le chapitre 5? Il a dit, toujours Paul écrivant à Timothée, et en même temps qu'il écrit à Timothée, n'oubliez pas qu'il écrit aussi à l'église d'Éphèse. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Mes frères et sœurs, si vous avez un aîné, quand on dit vieillard, vieillard, c'est quelqu'un qui est âgé, plus âgé que vous. Il y a une manière par laquelle vous devez vous adresser à la personne. Même si vous avez raison, nous devons avoir de la considération pour les aînés, du respect pour les aînés. Il a dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Donc ça veut dire que s'il y a un frère dans l'assemblée qui peut être notre père, ou même notre grand frère qui est plus âgé que nous, ayant de la considération, même si il a été coupable de quoi que ce soit. La Bible dit, ne réprimande pas rudement. La même Bible nous enseigne à avoir de la considération pour les cheveux blancs du vieillard. Il y a ce prophète qui était chauve dans la Bible. Et les enfants se moquaient de lui. Sa femme était environ 40. Il courait après lui, se moquait de lui. Et il a ordonné à ce qu'un fauve sorte de la brousse et vienne dévorer tous ses enfants. Ce n'est pas par hasard que ces versets sont dans la Bible. Nous devons avoir de la considération, du respect pour les aînés. Ici, on parle de vieillard. Et nous devons avoir vraiment de la considération pour les aînés, mes frères et sœurs. Donc, il y a une manière de s'adresser aux aînés. Voilà. Donc, il y a une manière de s'adresser aux aînés. Pas rudement. Pas avec mépris, pas avec dédain. Ce qui serait aussi rudement. Pas en grondant. Ayant de la considération. Et bien des fois, parce que nous sommes tous frères dans le corps de Christ, c'est des choses que nous oublions. C'est des choses que nous ne considérons pas. Faisons attention. On peut attirer la colère de Dieu sur nous par la manière par laquelle on a réprimandé un aîné ou un vieillard. C'est tellement important. Donc, je relis, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Voilà, les jeunes gens comme des frères. Le verset 2 dit, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Voilà. Donc, même les femmes âgées, il ne s'agit pas seulement des vieillards, même les femmes âgées, qui sont plus âgées que nous, même si elles sont coupables de quoi que ce soit, ayant de la considération. Choisissons nos mots, le temps par lequel on les réprimande. Voilà ce que dit la parole. Le verset 3 dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Voilà, honore les veuves qui sont quoi? Véritablement veuves. Le verset 4 poursuit en disant, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et dans les prières. Voilà. Il y a des personnes, les sœurs qui me posent la question, mais frère, tu dis que la femme ne peut pas enseigner, comme si c'est moi qui avais écrit le livre. Et je l'ai dit souvent, ce n'est pas mon genre qui dit, c'est la Bible qui dit. Donc, la Bible dit que la femme ne peut pas enseigner, alors comment moi, la sœur, je peux enseigner, je peux servir le Seigneur? Voilà les questions qui reviennent. Cet exemple te montre, ma sœur qui m'écoute, comment tu peux servir le Seigneur. Et en le faisant, tu n'as pas besoin de sonner la trompette pour que tout le monde voit comment tu le fais. Nous avons mis l'accent sur les jeunes publicitaires. Non, ma sœur, tu n'as pas besoin de le faire. Dans le secret, Dieu voit comment tu le sers dans le secret. Donc le verset 5 te montre le standard de comment toi, ma soeur, tu peux servir.
Ici, on parle de veuve. Peut-être tu vas me dire, mais moi, frère, je ne suis pas veuve. Non, ça s'adresse aux femmes. Celle qui est véritablement veuve, qui est demeurée dans l'isolement, met son accent, met, pardon, plutôt son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et dans les prières. Voilà ce que Dieu attend d'une femme. Pourquoi Dieu parle des veuves? Parce qu'en fait, ce sont les veuves qui appliquent mieux ça. Est-ce que vous comprenez? Ce verset ne dit pas que ce sont les veuves qui doivent persévérer jour et nuit dans les supplications, dans les prières. Ce verset nous montre que nous devons persévérer, la femme doit persévérer dans les supplications et la prière, exactement comme celle qui est devenue veuve le ferait. Donc, celle qui est devenue veuve, qui est demeurée dans l'isolement, devient un exemple pour toutes les femmes. Et il y a un exemple également d'Anne la prophétesse. Il y a des personnes pour justifier que la femme doit enseigner. La Bible prend l'exemple d'Anne la prophétesse. Dans Luc chapitre 2. Il dit, oh mes frères et sœurs, relisez attentivement vos Bibles. Il n'est pas dit que Anne la prophétesse était dans le temple en train d'enseigner la multitude de la Torah ouverte devant elle. Non. Il est dit que Anne avait passé 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Et après cela, son mari est mort, après 7 ans de mariage. Et elle est restée tout ce temps fidèle dans le temple. Et âgée environ de 80 ans, elle persévérait jour et nuit dans les prières, dans les jeûnes. Voilà l'exemple d'une veuve dans Luc chapitre 2. Et voilà cet exemple que le Seigneur, par ma bouche aujourd'hui, voudrait que toi, ma soeur, tu imites. Donc tu te poses la question, mais comment je vais alors servir le Seigneur? Dans l'isolement. Tu n'as pas besoin de faire la publicité, monter ta piété devant le monde entier. Non. Tu es dans l'isolement. Tu t'isoles. Celle qui est véritablement veuve, qui est demeurée dans l'isolement. Regarde la clé, c'est demeurée dans l'isolement. Il faut d'abord montrer. Si vous ne montrez pas au monde entier que vous priez, vous n'êtes pas une bonne prieuse. Faut d'abord que le monde voit comment vous êtes pieuse. Non. Vous faites vos choses pour être vues des hommes. Mais Dieu n'est pas avec vous. La véritable femme vertueuse en Christ Jésus est dans l'isolement. Et toi, ma soeur, je t'appelle à être vraiment cette femme vertueuse de Proverbe chapitre 31. Elle est discrète. Elle n'est pas sur les places publiques. Elle ne va pas de Facebook à Facebook. Et vous, mes soeurs, qui postez les commentaires sur Facebook, oh, mes soeurs, le cœur du Seigneur est affligé. Parce que la femme qui craint Dieu est effacée. La femme qui craint Dieu est silencieuse. On ne la voit même pas. On ne sait même pas si elle existe. Que ce soit physiquement, que ce soit virtuellement par Internet. La femme qui craint Dieu ne s'exhibe pas à longueur de journée sur Internet en postant les commentaires. Et je pense qu'à l'avenir, je dois interdire, ne plus permettre les commentaires des femmes. Ce n'est pas bienséant. Elle passe le temps à jacasser à longueur de journée sur Skype. Le claviardage. Voilà un nouveau concept, un nouveau mot qu'on a adopté aujourd'hui. La langue du 21e siècle. Ce n'est plus la langue de chair qui est dans votre bouche. La langue du 21e siècle, c'est le clavier. Claviardage. Ou bavardage quand il s'agit d'une langue normale. Le clavier est devenu l'extension de la langue. À longueur de journée, disant des choses qu'il ne faut pas dire. Nous crions ici pour que mes frères et sœurs arrivent au standard où nous plaisons à Dieu. Nous ne venons pas tous les jours pour que les gens écoutent et c'est les mêmes personnes qui font encore les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Nous devons être agréables à Dieu, c'est pour ça que nous venons ici. Agréables à Dieu. Et une femme, il n'est pas bien séant à une femme d'aller de compte Facebook à compte Facebook postant les commentaires. Et c'est ce moment enseigne par ses commentaires. Elle poste des versets bibliques, elle enseigne, elle raisonne. Ça, c'est le vagabondage spirituel. Il n'y a qu'une prostituée qui se comporte comme cela. C'est la prostituée qui se bat sur les places publiques. Une véritable chrétienne ne va pas sur Facebook poster des choses, commenter à longueur de journée. Ma soeur en Christ doit être silencieuse. Si tu vas sur Facebook poster les trucs à longueur de journée, les bêtises, tu n'es pas différent d'une prostituée qui va sur les places publiques. Une femme doit être discrète. La femme qui craint Dieu. Et donc voilà le verset 5 qui dit que. Le verset qui dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement,
La clé ici, c'est isolement. Vous ne vous faites pas voir. On ne doit pas savoir que vous priez pour les gens. Pas de vraiment, nous faisons des choses pour être vus des hommes. Non. On ne veut pas savoir, oh frère, je vais gêner. J'ai un mois de jeûne. Non, ne dites même pas aux gens que vous voulez gêner. Sauf si c'est votre époux, votre épouse. C'est entre Dieu et vous. Si vous avez prié pour quelqu'un, restez tranquille. Mes frères et sœurs. Donc la femme, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications, dans les prières. Quelqu'un pourrait poser la question, mais frère, pourquoi tu mets l'accent sur la femme? La réponse est que la femme est le canal de la séduction. Ça a commencé avec Ève. C'est par Ève. Pourquoi Satan n'est pas passé par Adam? Satan savait très bien que la femme, c'est le canal de la séduction. Donc, nous mettons l'accent sur les femmes parce que les femmes sont facilement influençables. Regardez les vidéos où nous montrons les abominations. Qui dit Amen? Les personnes enseignent les mauvaises choses, les choses abominables, les blasphèmes. Vous entendez Amen, Amen, Amen. Ce sont les amens des femmes qui fusent. Donc c'est cela. Mes frères et sœurs, ce sont les amens qui fusent. Nous devons arriver au point où nous arrivons, mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, à obéir intégralement à la parole de Dieu. Obéissez à la parole. La femme qui sert Dieu, véritablement, sert Dieu dans le silence. Elle est discrète. Elle est discrète. Mes frères et sœurs, elle est discrète et elle doit être cachée. Elle ne doit pas faire sa piété pour le paraître, pour se faire voir. Voilà. Verset 6. Regardez le verset 6. Celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Ça, c'est quelque chose de grand. Ça me fait peur, ce verset. Le verset dit que celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoi qu'il va. Donc nous avons les mortes vivantes. Et ça ne s'adresse pas seulement aux femmes, même aux hommes. C'est pour ça que la Bible dit fuyons les plaisirs du monde, fuyons. Donc toi, mon frère, ma soeur qui vit dans les plaisirs, tu es un mort vivant ou une morte vivante. Un mort vivant. La Bible dit celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien quoi qu'il vivant. Le verset, ça dit quoi? Ne leur déclare pas ces choses de peur de les blesser. C'est ça? Ne dis pas ces choses de peur de les frustrer. C'est ça? Ne dites pas ces choses de peur qu'elles soient énervées. Parce que les femmes sont sensibles. C'est ça? Le verset se dit, déclare-leur ces choses. Déclare-leur ces choses. Afin qu'elles soient irréprochables. Afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mais frère et sœur, voilà un verset qui me fait peur. En tant que serviteur du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes, j'ai dit les hommes de Dieu, je vais revenir sur les femmes soi-disant de Dieu, alors qu'une femme, elle doit être soumise à son mari, à côté de son mari, élever ses enfants, persévérer dans la foi, la pureté, la chasteté. Mais je m'adresse à nous les hommes de Dieu. Et le Seigneur a... mis dans mon cœur, vraiment de faire attention. On ne doit pas négliger sa famille sous prétexte qu'on sert le Seigneur. Et avant je vais vraiment dire quelque chose de tellement important. C'est que mes frères et sœurs, nous mettons en face ces choses. Et tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, les gens vont penser que non, j'en veux aux femmes. Non! Les femmes ont une importance. Je rends grâce à Dieu. Vous m'avez toujours entendu dire comment je rends grâce à Dieu. Pour la merveilleuse mère que Dieu m'a donnée. Et pour la merveilleuse épouse que Dieu m'a donnée, je rends grâce à Dieu. Si le Seigneur ne m'avait pas donné cette épouse, je ne pense pas que le travail que je fais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, je le ferais. Elle me soutient. Elle m'encourage. Même dans les moments de découragement, d'affliction, de faiblesse. Elle est là pour moi, pour m'épauler. La femme n'a pas une
une place méprisable aux côtés de l'homme. Quand le cou tourne à... Qu'est-ce qui soutient la tête? La tête, c'est l'homme. Qu'est-ce qui soutient la tête? C'est le cou. Le cou détermine où la tête va regarder. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous regardez, par exemple, à gauche ou à droite, c'est le cou d'abord qui tourne. Est-ce que vous comprenez la sagesse dans cette image que je viens de vous donner? Donc, la femme n'est pas sans importance. La femme a une très grande importance. Qu'est-ce qui soutient la tête? N'est-ce pas le cou? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui soutient la tête? C'est le cou qui soutient la tête. L'homme est la tête. L'homme est le chef. Mais qu'est-ce qui soutient le cou? Qu'est-ce qui soutient sa tête? C'est le cou qui soutient sa tête. C'est le cou qui soutient sa tête, mes frères et sœurs. Et le cou aussi détermine dans quelle direction la tête va se tourner. Avant de regarder à gauche, c'est d'abord le cou. Essayez de faire comme moi. Faites cet exercice. Je suis inspiré, mes frères et sœurs, à mettre le baume dans le cœur de mes sœurs qui pensent que je suis dur envers les femmes. Non. La femme a une importance importante. La séduction est venue dans le monde à cause de la femme. Et ça commence jusqu'aujourd'hui, surtout dans cette fin de temps. Cette femme qui se lève à gauche, à droite, qui disent que Dieu les a envoyées alors que Dieu ne les a pas envoyées. Ce sont des menteuses. Vraiment, mes frères et sœurs, j'ai de l'amour pour mes sœurs. En même temps que vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette mère que Dieu m'a donnée et pour cette épouse que Dieu m'a donnée. Et sur les quatre enfants que le Seigneur, avec lesquels le Seigneur nous a bénis, nous avons trois filles. Alors comment je vais détester la femme? Il y a la séduction vient, mes frères. Regardez même dans l'histoire de l'humanité. Les guerres ont été déclarées à cause des femmes qu'on disputait. Regardez, pour vous qui avez fait l'histoire au collège ou au lycée, les grandes guerres. Allez-vous faire des recherches. Vous ne serez pas surpris de trouver que même la Première Guerre mondiale, il y avait certainement des questions de rivalité, des questions de femmes. La femme est... Voilà. C'est l'arme de l'ennemi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis le paradis. Le jardin d'Éden. Excusez-moi, c'est l'absence. Ça date depuis le jardin d'Éden. La femme est le canal de la séduction. Et le standard que Dieu veut de la femme, c'est qu'elle soit vraiment soumise. Chaste, modeste. Voilà le standard. Donc, mes frères et surtout mes soeurs, je vous aime. La dureté que j'ai envers ceux qui écoutent cette écriture, que ce soit femme ou homme, est à la hauteur de l'amour que j'ai pour eux. Comme j'ai dit, nous ne faisons pas ce travail pour que les gens donnent leur argent, pour que les gens nous célèbrent. Dieu m'est témoin, mes frères et sœurs, que je fuis la célébrité. Je fuis l'honneur, je fuis l'adoration, je fuis l'idolâtrie. Et chaque fois, ceux d'entre vous qui m'ont appelé en privé, quand ils commencent à dire, pasteur Georges, je dis, hey, tu me fermes la porte de l'enfer, la porte du ciel. Je préfère que tu me fermes la porte de l'enfer en m'appelant Georges tout simplement. Parce que quand tu commences, papa Georges, pasteur Georges, ou c'est cela, tu me fermes la porte du ciel parce que tu m'idolâtres, tu m'élèves. Nous sommes des frères. Pire encore, si quelqu'un voulait se prosterner devant moi, comme si c'était quelque chose alors que je ne suis rien. Donc, n'amenons pas les gens à nous suivre. Ceux qui vous amènent à les suivre vont vous flatter, vont utiliser la séduction, la ruse, vont vous courtiser, homme ou femme. Ils vont vous courtiser parce qu'ils veulent que vous les suiviez. Moi, je suis dur parce que vous me suivez, ce n'est pas un problème. Je ne veux même pas que vous me suivez. Allez suivre le Seigneur. C'est pour ça que vous ne verrez pas de séduction derrière ce que j'enseigne. Il n'y aura jamais de séduction. La séduction vient que les gens veulent que vous... Quand quelqu'un veut dire que vous deviennent ses disciples, les gourous, hommes et femmes qui se lèvent maintenant dans cette fin de temps, veulent que vous les suiviez. Et pour les suivre, il faut bien qu'ils vous courtisent. Il faut bien qu'ils vous caressent dans le sang du poil. Il faut même qu'ils vous mentent. Qu'ils inventent les mensonges pour que vous puissiez les suivre. C'est la prostitution spirituelle. Donc, mes sœurs, je vous aime en Christ Jésus. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de celle de sa famille, il a renié la foi, il est pire que les fidèles. Donc voilà un verset sur lequel, moi particulièrement, le Seigneur m'a interpellé. Et beaucoup d'hommes de Dieu peuvent rater le salut parce qu'ils ont négligé leur famille sous prétexte qu'ils servent le Seigneur. Et c'est pire encore avec les femmes qui, soi-disant, sont dans le ministère. Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, toi ma femme, ma soeur. Dieu ne t'a pas demandé à le faire. Dieu ne, voilà. Et je vais prendre quelque chose d'assez édifiant que Steve Benaba vient de dire. L'homme représente le toit et la femme représente la poutre. Et le Seigneur Jésus qui est le fondement. Voilà, il y a de la sagesse dans ce que tu dis. Surtout sur le fait que l'homme représente la toiture, c'est l'homme qui couvre, c'est le chef. Mais les poutres qui soutiennent la toiture, c'est quoi? C'est la femme. Il y a de la sagesse dans ce que tu viens de dire, Steve. Donc, s'il n'y avait pas de poutre, il n'y aurait pas de toiture. La toiture existe parce qu'il y a une poutre. C'est pour cela qu'il est bon pour un homme d'avoir une épouse et pour une épouse d'avoir pour une femme d'avoir un époux. Donc voilà, si quelqu'un n'a pas sur les siens, et principalement de celle de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Beaucoup d'hommes de Dieu, et moi-même, mes frères et sœurs, je me suis remis en cause par rapport à cela. Nous devons nous occuper de nos familles. Il faut faire attention. L'éducation des enfants. Leur entretien. Pour voir à ce qui peut leur manquer. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que je voudrais que tout le monde, tous les hommes soient comme moi. L'apôtre Paul avait un service vraiment plus engagé parce qu'il n'avait pas de femme et d'enfants. Mais pour vous et moi, collègues ministres de Jésus-Christ, vraiment, méditons bien sur ce verset 8. Que le Seigneur nous aide à faire la part des choses, à ne pas négliger nos épouses et nos enfants au détriment du ministère. Ne pas négliger nos enfants et nos épouses, soi-disant que nous sommes dans le ministère à 100%. Il y a des hommes, vous êtes chaque fois dans les avions, voyage à travers le monde, dans le ministère. Il y a eu des hommes de Dieu en revenant, ils trouvent que la femme sort avec quelqu'un d'autre. Et plus tard, elle a pris la décision de partir. Faisons attention parce qu'on ne pourvoit pas ses besoins romantiques, à ses besoins sentimentaux et autres. Et tous les autres besoins. Donc nous devons faire attention, ce verset est tellement... Nous devons arriver à méditer ce verset et que Dieu nous donne, collègues serviteurs de Jésus-Christ, à appliquer ce verset, à prendre soin de nos familles. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de celle de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Regardez, il a dit qu'il est pire qu'un infidèle. Voilà. Pire qu'un infidèle. Je vais prendre le verset de... que Josué vient de projeter, nous allons projeter. Voilà. Il a dit, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Effectivement, nous ne prions pas de manière, on ne prie pas vraiment, on ne fait pas de publicité pour se faire voir. Donc quand tu pries, prie dans le secret. Ne prions pas de manière publique. C'est-à-dire, pendant qu'on prie, le monde entier sait que nous sommes en train de prier. Non. Prions dans le secret. Et nous sommes en train de mettre à nu les travestissements que nous observons dans le corps de Christ dans ces derniers temps. Les travestissements. Voilà. Donc, on continue. Verset 9. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle a été femme d'un seul mari. Vous voyez, femme d'un seul mari. Ça vous rappelle quoi? Divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Voilà comment une femme est inscrite, une femme est exclue parce que voilà comment ce verset nous dit qu'une femme qui a été mariée à plus d'un homme est exclue. C'est mal aux yeux de Dieu pour une femme ou pour un homme de divorcer, de se remarier. Voilà la condition. Lisez bien la parole de Dieu.
qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable pour de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Voilà comment une femme sert le Seigneur. Plus haut, j'ai répondu à la question des sœurs qui disent que comment on peut servir. Qui pose la question comment on peut servir. Et ce verset également, et j'ai on a répondu en disant que elles servent dans l'isolement, dans les jeûnes et dans la prière, comme une veuve qui a décidé vraiment d'être dans l'isolement. Et le verset 10 nous montre aussi comment une femme peut servir, élever les enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Aujourd'hui, avec le courant luciférien du féminisme qui a malheureusement infiltré le corps de Jésus-Christ, une femme qui lit ça va trouver que c'est rabaissant pour elle. Laver les pieds des frères. Laver les pieds. Et à l'époque, il n'y avait pas de pieds pédicurés. Je ne sais pas s'ils portaient des chaussures à l'époque. C'était des pieds avec des talons fendillés. La rugueur de, vraiment de leur plan de pieds. Les hommes n'étaient pas manicurés. Les orteils n'étaient pas pédicurés. Ils allaient à pied, dans les longues distances, avec les sandales. Donc imaginez-vous les pieds rugueux, poussiéreux. Les femmes les lavaient. Voilà. Et Jésus qui lui-même a établi un standard. Lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, homme ou femme, le véritable leadership, pas les coups de leadership payants qu'on vous fait payer, abominables qu'on vous fait payer. Le coup de leadership, c'est celui qui va être le premier, le plus grand, qui soit le plus petit au milieu de ses frères. Donc, comme nous sommes ici au niveau de la famille, il a dit qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Donc voilà comment une veuve, et non seulement une veuve, toute femme qui veut servir le Seigneur, voit le standard pour servir. Et vous le faites sans publicité. Vous ne le faites pas sans appeler la télévision ou la radio ou la presse pour venir vous filmer comment vous le faites. C'est dans le secret, on ne va même pas savoir que c'est vous qui avez fait ça. Voilà. Le verset 11 continue en disant, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté, regarde la volupté c'est l'amour du monde. Lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Et elles deviennent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, je crois, chapitre 5, qu'il ne faut pas prendre à la légère un engagement sacré. Alors si vous prenez l'engagement de servir le Seigneur en tant que veuve, si vous ne résistez pas, si vous vous remariez, vous avez violé votre engagement. Donc la parole de Dieu dit, malheur à celui qui prend à la légère un engagement sacré. Et il n'y a pas plus d'engagement sacré que celui qu'on donne à Dieu. Qu'on fait à Dieu, pardon. Regarde le verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. L'oisiveté qui pousse les femmes, non seulement les femmes, même les hommes, à aller de maison en maison. Et la maison du 21e siècle, c'est le compte Facebook. Voilà, elle a le compte de Facebook, un compte Facebook, et non seulement elles sont oisives. Vous allez voir, elles sont sur Facebook à longueur de journée, on ne sait pas ce qu'elles cherchent. Postant des commentaires, disant des choses qu'il ne faut pas dire. Et donc, c'est ça que dit le verset, la suite du verset. Non seulement elles sont oisives, on continue, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Elles sont à la recherche des intrigues. Telle a dit ceci, telle a fait une vidéo, telle compte est telle, telle a fait ceci, les intrigues. Elles sont aux aguets par rapport aux intrigues. Elles font profession de connaître Dieu, mais elles suivent Satan sans même s'en rendre compte. Voilà. Telle a dit ceci, telle a fait ceci, telle a fait une vidéo, telle a dit ceci sur toi, telle a fait ceci. Colportage, commérage, mensonge, tout cela. Elles sont causeuses et intrigantes. Regarde le mot intrigante. Intrigante, ça veut dire quoi? Le mot intrigant ici, ça veut dire que les intrigues. Susciter des querelles. Faire que les gens se couillent les têtes. Dire des choses. Telle a dit ceci sur toi. Telle a fait une vidéo sur toi. Telle a fait ceci, cela. Voilà. Poster des commentaires. Tu as vu le commentaire que telle a fait. Tu as vu ce qu'elle a fait. Continue à le faire. Vous êtes en train de suivre Satan sans vous en rendre compte.
homme ou femme. Sortir de ces choses. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses. Regarde le mot causeuse. Les commérages. Voilà. Ma sœur en Christ qui craint Dieu. Si tu faisais ces choses par le passé, repens-toi et n'y participe plus. Nous continuons verset 14. Je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Voilà, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Par notre comportement, on peut amener Satan à médire nous, l'adversaire. Et voilà le verset que je vous donne souvent, à savoir que quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Quelques-unes. Peut-être ma sœur qui m'écoute à l'instant même, ou mon frère. Puisqu'on parle de femmes ici, je m'arrête sur la femme, mais ça s'adresse à tout le monde. Peut-être que tu t'es détourné pour suivre Satan sans t'en rendre compte. Verset 16. Si quelques hommes, si quelques fidèles hommes ou femmes ont des veuves, qui les assistent et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Nous ne devons pas avoir du mépris pour ceux qui dirigent dans le corps de Christ, qui sont les bergers. Et avoir de l'honneur, mes frères et sœurs, la Bible parle d'un double honneur pour ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ayons de la considération et un double honneur. Pas l'honneur selon le monde. Pas l'honneur que maintenant vous les idolâtrez. Vous les encensez comme si c'était quelque chose. Et ils remplacent Jésus-Christ dans votre vie. Non. Mais de la considération, du respect. Verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. Regardez, qui est jugé digne? Les anciens qui dirigent bien. C'est eux qui sont jugés dignes. Donc un faux pasteur est exclu de ce verset. Un faux prophète. Que ceux qui dirigent bien, pas ceux qui dirigent mal. Donc, ce que ceux qui dirigent bien, la clé ici, c'est dirige bien. Soit jugé digne d'un double honneur. Surtout, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Voilà un verset que les dîmovores aiment bien. Voilà le verset que les dîmovores aiment bien. Tu n'amuseras pas pour le bœuf quand il fout le grain. Il n'a pas dit, tu ne pareras pas le bœuf, tu n'empêcheras pas que le bœuf soit paré d'or et de diamants. Amuseré, ça veut dire que le bœuf mange quand il travaille. Un serviteur du Seigneur Jésus-Christ se contente d'avoir un vêtement et d'avoir sa nourriture. Et si les frères pourvoient ses besoins, tant mieux. Mais les frères ne pourvoient pas à ses avidités. Vouloir construire des châteaux, avoir la belle voiture, les beaux costards, les belles montres, les bijoux, aux dépens de l'église. Beaucoup d'hommes de Dieu, je vais dire plutôt les faux hommes de Dieu, sont devenus de véritables parasites. Leurs abominations qu'ils appellent l'église étaient moyens pour assouvir ces excentricités, ces extravagances. Non, ce n'est pas bon. Quand l'Écriture dit, tu n'amuseras pas le bœuf. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui sert Jésus-Christ dans l'humilité et la simplicité, si on prend soin de lui par ses aliments, d'ailleurs, quand le Seigneur a envoyé dans Luc chapitre 2, ses disciples 2 à 2, il a dit, entrez dans une maison digne de vous recevoir et restez-y jusqu'à ce que vous partiez. Et mangez de tout ce qu'on vous offrira sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Dans cette maison. Il est préparé déjà au ministère. Ce verset ne signifie pas que tu vas t'enrichir avec l'évangile. Ce verset signifie que si tu sers Jésus-Christ, tu peux avoir des besoins élémentaires pourvus. Et tu n'exiges pas cela aux gens. Et c'est des libéralités volontaires. De manière volontaire. Mais faites attention, mes frères et sœurs, quand les dîmovores, vous lisez ce verset pour justifier
leurs excentricités, leurs débordements. Et d'ailleurs, on va voir ça par la suite. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il est dit d'un ancien. Il n'est pas dit d'un agent de Satan qui a infiltré le corps de Christ. Pour les loups qui infiltrent le corps de Christ, nous les chassons avec les gourdins de la parole de Dieu. Voilà. S'il ne reçoit pas l'accusation contre un ancien, il est dit ancien. Il n'est pas dit ne reçoit pas l'accusation contre un agent de Satan déguisé en ministre de Christ. Non. Ancien. Ça veut dire quelqu'un qui est dans le corps de Christ, qui est un véritable ministre de Jésus-Christ. Pas de faux pasteurs. Donc lisez bien. Voilà les versets que les gens utilisent aussi. Quand vous exposez un faux pasteur qui n'a jamais connu Jésus-Christ et que Jésus-Christ ne connaît pas, on vous donne ce verset, ne reçoit pas l'accusation contre un ancien. Non, il est dit ancien. Il n'est pas dit faux pasteur. Il n'est pas dit voleur, brigand ou violeur. Voilà. Verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Voilà. Et c'est ce que nous faisons sur Jésus-Christ. Et quand on le fait, nous sommes traités de tous les noms. Ceux qui pêchent, reprennent devant tous, publiquement. Et c'est ce que nous faisons. Et si j'ai péché, que soit le cas pour moi. Il n'y a pas d'exception, mes frères et sœurs. Pas de sentimentalisme. Et certains m'ont reproché d'être un peu sentimentaliste, d'avoir, de faire exception de personne. Nous sommes aussi des hommes. Je suis aussi un homme. On a nos faiblesses. Que le Seigneur m'amène vraiment à me débarrasser de mes faiblesses. Ceux qui pêchent, repentent devant tous. Donc si nous avons un frère ou une soeur qui s'égare, vous avez ramené le frère ou la soeur sur la bonne voie. Il ou elle ne vous a pas écouté. La Bible dit, ceux qui pêchent, repentent-les devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Voilà. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Voilà. De ne rien faire par faveur. Effectivement, pas de faveur. Parce que les gens vous donnent des dons. Ils contribuent à votre ministère. Soi-disant, vous commencez à faire les choses par faveur et par favoritisme. D'observer ces choses en prévention et de ne rien faire par faveur. Nous ne faisons rien pour attirer la faveur des hommes. Nous ne faisons rien pour plaire aux hommes. Voilà, regardez le verset 22. Mémorisez ce verset 22. Voilà les travestissements anti-scripturaires, anti-bibliques que nous observons dans le corps de Christ. Le verset 22 dit quoi? N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché des autres. Toi-même, conserve-toi pur. Mais aujourd'hui, l'imposition des mains dans les assemblées qu'ils appellent l'église est devenue un véritable jeu. C'est quelque chose qu'on fait couramment. Les gens même vont dimanche, ils savent déjà qu'on va leur imposer les mains. Le verset 22 dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Je vous ai raconté par le passé comment une sœur soi-disant est devenue épileptique parce qu'un faux pasteur lui a imposé les mains. Et quand le démon d'épilepsie a été chassé, avant de sortir du corps, il a confessé que c'est un faux pasteur qui a imposé les mains. Donc le démon est passé, c'est un faux pasteur qui a invoqué plutôt l'épilepsie sur la personne. Allez sur l'émission de Béanzin, vous allez vous comprendre de quoi je parle. C'est un pasteur qui font enterrer les bébés vivants qui mangent la chair humaine. Ce sont les sorciers et ils passent pour être pasteurs aux yeux des gens. Mais Jésus qui ne les connaît pas, ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc n'impose pas toi ma soeur, toi mon frère, quelqu'un veut t'imposer les mains. N'importe comment. Il faut vraiment, si quelqu'un, vous voyez, en soi disant homme, pire encore les femmes, imposer les mains. On a fait des émissions. Une femme vous impose les mains, elle est nue. Il y a même une qui imposait plutôt les mains sur les parties intimes. Elle a fait descendre la fermeture, je ne sais pas, elle a mis les mains. Si mes souvenirs sont bons, allez regarder cette émission. Celle de sorcellerie dans une église où elle enfuit les mains dans les parties intimes de quelqu'un devant elle, publiquement devant tout le monde. Les abominations que nous voyons. Donc, homme de Dieu, n'impose pas les mains avec précipitation.
Parce que le verset donne la raison. Le verset dit, ne participe pas au péché d'autrui. En imposant les mains, tu peux participer au péché. Et non seulement au péché, même au démon. Les impuretés qui sont dans la personne spirituellement parlant, tu peux les avoir. Un vétéran homme de Dieu doit même se méfier d'imposer les mains n'importe comment. Il faut que ce soit par révélation, véritablement par révélation. Verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Voilà. Pas de l'eau. Et quand l'usage de vin, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le vin ici, c'est le produit de la vie qui a été fermenté. C'est le produit. Donc, le vin, c'est possible pour un chrétien de boire du vin. Mais assurez-vous que la fermentation n'a pas été faite de telle manière que le vin soit alcoolisé ou excessivement alcoolisé. Mais si la fermentation a été faite de telle manière que le taux d'alcool est insignifiant ou presque insignifiant, il n'y a pas de mal à cela. Le vin, c'est le produit de la vie fermentée. Donc, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de son estomac et de tes fréquentes indispositions. Le verset 24 dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez les autres, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Le verset 25 dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, nous avons terminé avec Timothée chapitre 5. Voilà ce qu'on va faire, mes frères et sœurs. Plaise à Dieu, nous allons voir le deuxième livre de Timothée jeudi prochain, plaise à Dieu. Par conséquent, nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui avec le chapitre 6 de Timothée, qui est également le dernier chapitre par lequel Paul termine son livre à Timothée, son épître à Timothée. Donc, je résume, chapitre 6, on va terminer l'émission aujourd'hui par le chapitre 6. Et quand nous revenons jeudi, après-demain, plaise à Dieu, pas après-demain, je vais dire dans 3 jours, plaise à Dieu, ce serait pour voir la deuxième épître de Paul à Timothée. Donc, terminons la première épître. Chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Voilà. Et afin que la doctrine ne soit pas blasphémée. Imaginez que vous avez votre patron qui est en même temps votre frère en Christ. Vous êtes dans la même assemblée. Ne méprisez pas votre patron. Parce que vous ne lui manquez pas de respect et de subordination parce que vous priez dans la même assemblée. Voilà de quoi ce verset parle. Non, je confonds plutôt avec le verset 2. C'est plutôt le verset 2 qui parle de cela. Donc le verset indique que ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme dit d'honneur. Voilà, c'est plutôt le verset 2, j'ai confondu. Le verset 1 dit plutôt que si vous êtes esclave, regardez votre maître comme étant digne d'honneur. Ça veut dire que vous avez une situation de subordination. Regardez comme étant votre maître comme étant digne d'honneur. C'est le verset 2 qui amplifie ce que je voulais vous expliquer. Le verset 2 qui dit quoi? Par rapport à mépriser vos patrons ou vos maîtres ou vos employeurs. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Donc encore, ce n'est pas parce que tu as un frère en Christ qui est en même temps ton patron que tu vas le mépriser. Donc c'est cela. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est sur la piété, voilà. Donc si quelqu'un, d'ailleurs on va parler de deux versets en même temps, verset 3 et verset 4. Verset 3 et verset 4. Regardez très bien ce verset. Et ces deux versets résument aussi le travail derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Parce que nous sommes là pour mettre à nu les fausses doctrines des personnes qui ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ
et à la doctrine qui est selon la piété, pas l'apparence de piété, pas l'apparence de piété, la véritable piété. Donc, verset 3, 1 Timothée, dernier chapitre, chapitre 6, verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles, regardez, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est quoi? Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons. Regardez d'où vient l'envie. L'envie. Les gens sont envieux les uns à l'égard des autres. Ils sont querelleurs. Il y a des calomnies, il y a des mauvaises soupçons. Tout simplement pourquoi? Parce que certains ne s'attachent pas à la sainte doctrine, aux saintes paroles que Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt lâchent leurs intelligences vers des fausses doctrines et les enseignements des démons. Le verset 4 dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Donc, ils pensent que la vie de piété pour eux devient moyen pour s'enrichir. Mon frère, ma soeur, si tu veux t'enrichir, va faire des affaires. Cherche un travail. D'ailleurs, Dieu n'a pas demandé à qui que ce soit de chercher à t'enrichir. Mais si tu veux tellement t'enrichir, n'utilise pas la piété pour t'enrichir. Comme un fonds de commerce. Non. Ne faites pas cela, homme de Dieu, collègue, ministre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils ont des épiceries, des boutiques. Beaucoup de personnes s'engagent dans le ministère pour pouvoir avoir un salaire. D'autres le font pour fuir le chômage. Non. La piété n'est pas une source de gain. Sinon, vous devenez un boutiquier ou un épicier. La piété n'est pas une source de gain. La piété, c'est la relation que vous avez avec Dieu dans la sainteté. Ça ne doit pas être une source de gain. Ce n'est pas avec ça qu'on on gagne notre pain. Bien qu'on a vu tout à l'heure que l'ouvrier mérite son salaire et qu'on a muselé par le bœuf quand il fout le grain. Mais quand, ici, on parle de gain. Gain, ça veut dire que vous voulez les profits, les bénéfices. Le gain ici, ce n'est pas avoir la nourriture ou le vêtement sur votre corps. La piété, regardez, verset 5, les 20 discussions d'hommes corrompus, regardez le mot corrompu d'entendement, privés de la vérité. Ils n'ont pas la vérité, ils sont privés. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité, mais ils sont dans l'erreur. Privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6 et 7, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc le verset 6 nous montre une autre piété, la véritable piété qui est avec le contentement. Le contentement signifie que nous nous contentons de ce que nous avons. Nous ne recherchons pas à nous enrichir avec l'évangile. Ou à faire du commerce avec l'évangile. Voilà. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Et voilà le verset dont je vous parlais. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mon frère, ma soeur, voilà la clé, voilà la véritable piété, le contentement, se contenter de ce qu'on a. Et que dit le verset 9? Et ça, c'est la gangrène pour le corps de Christ, surtout dans cette fin de temps. L'amour de l'argent, vouloir s'enrichir, les séminaires d'enrichissement. On n'a jamais vu un verset biblique dans la Bible où quelqu'un a prié pour devenir riche. Jamais. Même quand Job, qui était riche, est devenu pauvre, il n'a pas prié Dieu pour que Dieu lui donne sa richesse. Salomon est devenu riche sans avoir demandé à Dieu la richesse. Au contraire, Dieu l'a rendu riche parce qu'il n'a pas demandé la richesse à Dieu. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà ce qui arrive quand on veut s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir, vous qui êtes séduits par les pasteurs qui vous prêchent l'évangile diabolique, la prospérité, comment avoir les grands ciels, les avions, les bateaux que eux-mêmes n'ont jamais eu et que vous n'aurez jamais. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont vendre l'illusion pour que vous puissiez plus donner de l'argent. Ce sont des parasites. Semer, 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 semer. En fait, quand vous semez, vous leur remplissez les poches.
verset 9 à nouveau. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés. Regardez bien, désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyons à quoi mène l'amour de l'argent. Verset 10. Car l'amour de l'argent, il n'est pas dit l'argent. Lisez bien. Il n'est pas dit l'argent est la racine de tous les maux. Il a dit l'amour de l'argent. Parce qu'on a besoin de l'argent pour pouvoir. Même au temps de Jésus-Christ, Judas le voleur avait une bourse. Il n'est pas dit l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Si l'argent ne vous dit rien, que vous ne l'ayez pas, ça ne vous fait aucun problème. Vous n'êtes pas considéré par ce verset et ça ne peut pas être la racine des maux dans votre vie. Mais c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Et regarde le verset continue en disant, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le tourment ultime et final étant le lac de feu et de soufre qui ne s'éteindra jamais. Et quelques-uns étant possédés. La clé ici, c'est étant possédé. Ça nous montre qu'il y a un esprit. Quand on dit possédé, ça qu'il y a un démon derrière. Donc, beaucoup de personnes, et malheureusement d'hommes de Dieu, malheureusement, avec l'évangile, diable, la prospérité, sont possédés par l'amour de l'argent. C'est un démon qui possède. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 que vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est la principalité satanique qui gouverne tout ce qui est argent. Voilà, ce sont les esprits, ces catégories d'esprits relatifs à l'argent, aux choses, aux richesses, aux choses du monde qui possèdent. Quelques-uns en étant possédés. La possession fait référence à un esprit impur, hein? Parce que l'esprit, ça ne possède pas. Quelques-uns en étant possédés. Ils sont possédés par quoi? Par l'amour de l'argent. Quelques-uns en étant possédés, on fait quoi? Se sont égarés loin de la foi. Égarés loin de la foi. Voilà comment nous abandonnons la foi. Donc, nous avons vu plus haut qu'une manière d'abandonner la foi, c'est cesser de lire la Bible pour courir après les visions et les révélations, les fables et les contes. Et une autre manière ici qu'on voit, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent amène les gens à s'égarer de la foi. Quand l'argent commence à être toute votre préoccupation, comment le gagner? Comment l'amasser? Vous allez lire le soir, vous le réfléchissez comment gagner de l'argent, comment avoir de l'argent. Ça devient le sujet de votre préoccupation. Voilà comment on égare. On s'égare loin de la foi. Il n'est pas dit on s'égare de la foi. Il a dit on s'égare loin de la foi. Et ça ne s'arrête pas là. Ça continue en disant, et se sont jetés eux-mêmes. Ce n'est pas raison qu'il les a jetés. Eux-mêmes se sont jetés dans les tourments. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour nous? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Collègue serviteur de Jésus-Christ, ministre de Christ, fuis ces choses, l'amour de l'argent. Les plaisirs du monde. Pour toi, homme de Dieu, recherche des choses. Va dans les séminaires de leadership où on t'enseigne ces choses. Non, il a dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. L'amour de l'argent, vouloir s'enrichir. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété et la foi. Non, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Le verset 12 continue en disant ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Donc, le combat de la foi, c'est un combat. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Le combat de la foi. Quand on dit combat, c'est qu'il y a guerre. Combat, c'est pas un jeu d'enfant. Beaucoup pensent que nous venons derrière Jésus-Christ avec c'est comme un jeu, un amusement. Non, nous sommes en guerre. Et nous engageons dans cette guerre avec tout le sérieux possible. Que le Saint-Esprit nous inspire. Ce n'est pas de la blague. Nous sommes en guerre. La guerre, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà. Versets 13 et 14, nous sommes pratiquement à la fin de cet enseignement. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ça s'adresse principalement à Timothée, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, à tous les serviteurs, bergers, pasteurs véritables à travers le monde, mais ça s'adresse à tout le monde. Comment devons-nous vivre? Vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition. Ce n'est pas qu'à un moment on a vécu sans tâche, sans reproche, et on est retourné à ce qu'on a vomi. Non, jusqu'à... Je vous ai dit en début d'émission que la marche en Christ Jésus, ce n'est pas le 100 mètres, le 400 mètres, le 200 mètres. C'est un long marathon. C'est le qu'au retour de Jésus, qu'est-ce que vous arrêtez de courir. Vous pouvez tomber, vous relever. Vous demandez pardon à Dieu, vous continuez, vous persévérez. Oubliant ce qui est en arrière, vous vous portez vers ce qui est en avant, vous courez. Et là, je suis en train de reprendre Philippiens chapitre 3, verset 13. Au sujet de Paul lui-même. Verset 15. Qui manifestera à son temps, que manifestera, voilà, là, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, que manifestera à son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches. Voilà les riches. On peut être riche. C'est possible que Dieu vous rende riche. Mais selon... Et la richesse qui vient véritablement de Dieu, ce ne sera pas pour vous, ce sera pour servir. Être au service des autres. Une richesse que quelqu'un a et qu'il l'a de manière égoïste en magasinant les voitures, les maisons, les avions, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. La véritable richesse qui vient de Dieu, ce sera pour être au service des autres. Pour faire avancer l'évangile comme cet évangile que nous prêchons derrière Jésus-Christ. Pour secourir les pauvres, les orphelins. Que ce soit le corps de Christ, mais que ce soit même à l'extérieur du corps de Christ. Verset 17 donc, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Voilà un danger de la richesse, ça vous fait être orgueilleux. Mais il faut essayer de savoir de quoi je parle. Par le passé. Ayant eu de l'argent, du fait de ma profession, j'étais orgueilleux. Je recommande aux riches d'être du siècle présent, de ne pas être orgueilleux. Voilà le danger d'être riche, l'orgueil. Et un autre danger, c'est par la suite aussi, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses, etc. Un autre danger des richesses, c'est que vous n'avez même plus besoin de Dieu. Et c'est dans votre richesse ou dans vos richesses que vous mettez votre espérance et votre confiance. Donc, de ne pas mettre leur espérance, nous continuons au verset 17, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, incertaines. D'abord, Dieu dit que la richesse se fait des ailes, elle s'envole. Mais de la mettre en Dieu, c'est en Dieu que nous mettons notre confiance, pas nos richesses. De la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Voilà. Voilà en quoi, mes frères et sœurs, un riche doit s'atteler. Voilà en quoi un riche doit s'atteler. On doit recommander aux riches. Donc, toi, mon frère, ma sœur, qui a les richesses, Dieu te recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, pas en égoïste. En égoïsme, pardon. Individualisme. Mais d'être, de faire du bien. Si tu as des richesses, sois riche en bonnes œuvres. Aide la libéralité. C'est-à-dire que partage tes richesses avec les pauvres, avec les orphelins. Contribue à l'avancement de l'évangile. Sois riche en bonnes œuvres. D'avoir la libéralité et de la générosité. Et voilà ce qui va se passer. Regarde la merveilleuse, le merveilleux résultat au verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Afin de saisir la vie éternelle. En fait, ça vous donne la condition par laquelle un riche peut saisir la vie éternelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, aussi difficile qu'il est, non, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus a dit à ce jeune homme riche, va,
Vends tout ce que tu possèdes et viens suivre moi. Il s'est en allé, il ne pouvait pas. Parce qu'il mettait son espérance dans des richesses incertaines. S'il arrive que toi, mon frère, ma soeur, tu sois riche au moment où je te parle, ou plus tard dans ta vie, et en passant, ne demande jamais la richesse. Demander la richesse à Dieu, c'est un péché. Personne ne l'a fait. Mais s'il arrive que tu te retrouves riche, Dieu te recommande, verset 18 d'abord, à faire du bien, à être riche en bonnes œuvres, à avoir de la libéralité et de la générosité, verset 19, et de t'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Le verset 20 dit ceci: ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Nous terminons par ce verset. C'est ce verset qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Plaise à Dieu. Donc, ô Timothée, verset 20 d'abord. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Il n'est pas bien séant, mes frères et sœurs, qu'un serviteur du Seigneur s'engage dans les discours vains et profanes, même dans les discussions, les querelles. Moi, je suis tombé dans ce piège par le passé. Et le Seigneur m'a repris. Et plaise à Dieu, je n'y tomberai plus. Donc, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Discours vains et profanes, c'est des discours qui n'édifient pas. Les disputes d'opinion, les querelles, etc. Verset 21. Et les disputes de la fausse science font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Regardez très bien le verset 21 qui dit: et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. Certains font profession, donc leur profession, c'est de disputer sur la fausse science. Non pas sur la parole de Dieu, mais sur la fausse science. Ils font profession, c'est leur profession, ils sont champions dans ça. Qu'ils sont ainsi, regardez, ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Mes frères et sœurs, c'était un privilège et un plaisir de partager ces choses aujourd'hui. Et nous allons continuer avec le deuxième. Voilà, on a terminé la première épître de Paul à Timothée. Et plaise à Dieu, dans 3 jours, jeudi, si le Seigneur ne vient pas entre temps et si le Seigneur nous conserve le souffle de vie, et si on a toujours la force et l'énergie, et nous croyons Dieu pour cela tous les jours, dans 3 jours, nous reviendrons pour la deuxième épître de Paul à Timothée. Finalement, ça va faire 3 émissions pour les épîtres de Paul à Timothée. Ouais, nous avons pensé faire en une émission, mais on s'est rendu compte qu'il y a tellement de détails qu'on ne peut pas le faire en une émission. Donc voilà. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de partager ces choses, une joie de répandre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, examiner ces choses, ne nous contentons pas à dire Amen. Ne nous contentons pas à dire Amen, mais attelons-nous à mettre cela en pratique. Mettons cela en pratique. Ne nous limitons pas à dire Amen. Oh, c'est bon, j'ai été béni par l'enseignement. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est l'enseignement que tu as reçu. Tu vas d'abord le réexaminer, comme les Bériens, pour voir si ce qu'on t'enseigne est exact. Et une fois que tu as examiné cet enseignement, tu t'es rendu compte qu'il est exact, qu'il vient de Dieu. Applique-le dans ta vie. Bien-aimés, joignez-vous à nous pour dire tout simplement merci au Seigneur pour cette émission. Très grand et très cher Dieu, Dieu infiniment élevé au-delà de tout ce qui peut se nommer dans ce monde, Dieu majestueux, Dieu saint révérend, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cet enseignement. Merci pour les choses que tu m'as donné de dire, selon que tu as voulu toucher le cœur de tes enfants, ou même pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et merci de ce que cet enseignement va apporter la délivrance à beaucoup, par rapport à la séduction que nous expérimentons, l'abomination de l'apostasie, les esprits séducteurs et les doctrines de démons qui ont envahi le corps de Christ. Père, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour tous ceux qui ont suivi cet enseignement en direct et qui le suivront plus tard. Merci, Seigneur, de la délivrance que tu apportes dans nos vies. Merci pour la nuit
qui est avancée dans certaines régions du monde et pour la journée qui continue ici chez nous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, que nous avons prié. Amen. Donc, mes frères, c'en est fait pour aujourd'hui. C'était un privilège. Plaise à Dieu, comme je l'ai dit, dans 3 jours, jeudi, nous revenons pour la dernière partie de cette merveilleuse aventure à travers les épîtres de Paul à Timothée. Bye bye.